Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en le retour dans le décor classique qui a changé. Ça me fait très plaisir de retrouver mon studio, celui que vous avez toujours connu sur les deux dernières années. Euh, on y a apporté quelques modifications, ça fait plaisir. Je vais vous présenter un petit peu tout ça après, mais on est dans un très joli cadre. Et en plus, on est aujourd'hui pour une très 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 belle émission. Euh, j'espère que le rendu va vous plaire, ça régale. On est en live, voilà, c'est mardi 17 octobre. J'ai le cœur léger, quatrième épisode de la saison je rappelle qu'on est sur un arc un petit peu sportif jusqu'à à peu près mi-novembre on va recevoir beaucoup de sportifs de beaucoup de sports différents je tiens à rappeler qu'aujourd'hui nous devions recevoir Madame Marion Bartoli mais elle est malade genre vraiment très malade donc bon rétablissement à elle et on espère la recevoir un peu plus tard dans la saison et je couvrirai bien évidemment le tennis avec grand plaisir le tennis c'est un grand sport c'est vraiment la folie donc très très cool mais en attendant aujourd'hui nous allons traiter euh, de football et également d'autres choses d'ici le 15 novembre je vous laisse quelques surprises vous vous doutez bien euh, ça régale, beau comme un camion, Zach. Ah bah vous me faites plaisir. Ah oui, 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 parce que quand je vais chez le coiffeur et que je dis, retire un tout petit peu de moustache, voici le résultat. On dirait un lutteur d'Aguestanais. Voilà, c'est Ramzak, les gars, euh, avec peut-être quelques kilos en plus, un peu moins affûté, vous m'en voudrez pas. Euh je continue parce que vous l'avez vu dans le billboard. Cette émission est en partenaire avec Brita qui nous accompagne, que vous avez peut-être dû voir dans Popcorn. Ça me fait extrêmement plaisir. Brita, qu'est-ce que c'est C'est cette jolie bouteille d'eau que vous pouvez voir juste ici. Bouteille d'eau filtrante pour filtrer l'eau du robinet qui présente plusieurs avantages. Un premier, c'est écologique. Ça permet l'économie en moyenne de 1200 bouteilles par an. Donc, c'est pas négligeable. C'est six fois moins cher que d'acheter de l'eau en bouteille au quotidien, alors que l'eau du robinet, bah c'est robinet. En plus, en France, elle est bonne, donc on régale. Ça réduit le chlore, les autres impuretés, c'est lavable. Et réutilisable. Un filtre Brita utilisé équivaut à l'utilisation de 16 packs d'eau. Rendez-vous compte, 16 packs d'eau, c'est la folie. C'est plus respectueux de l'environnement, c'est économique. Vous avez le lien dans le chat. Merci à eux de nous accompagner. Ça permet de faire une saison de qualité, également de pouvoir financer des travaux et plein de projets. Ça régale. Maintenant que je vous ai parlé du partenaire, je voulais également faire euh, une autre petite prise de parole. C'est une prise de parole moins préparée, un peu plus personnelle, faite euh, comme ça. Euh, de, enfin, auquel je pense depuis quelques jours et que je pense qu'il est nécessaire. Euh, à l'heure actuelle, on ne va pas se mentir, euh, c'est difficile euh, en tant que créateur de contenu et pour tout le monde même euh, de réaliser son métier avec l'actualité qui est très lourde euh, depuis deux semaines, entre euh, l'attaque du Hamas, euh, la politique israélienne et les bombardements qui tuent des civils, euh, l'attaque du prof à Arras ou encore hier soir euh, en Belgique avec euh, les supporters suédois tués. C'est très compliqué. Euh, franchement, ça pèse sur le moral et au milieu du fait que ça sur le moral, il y a également du coup des victimes, des civils. Et c'est dur, franchement. C'est des personnes qui, pour beaucoup, ont besoin d'aide. En tant que créateur de contenu, on peut apporter cette aide en prenant la parole ou alors, de temps en temps, en mêlant des actions, que ce soit celles qu'on fait en privé ou alors celles qu'on peut faire en public. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui, rapidement. En 2021, on avait fait une émission Radio Street euh, spéciale euh, qui avait permis de récolter des fonds pour le PCRF. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le PCRF, ce n'est pas du tout une OP ou quoi que ce soit. Hein. C'est le Palestinian Children Relief Fund. C'est une association anglophone qui travaille sur place pour aider les enfants palestiniens. Et plus que jamais, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de fonds. Et plutôt que de simplement vous demander de l'argent, eh ben, j'ai décidé de prendre une première initiative. Déjà, de faire un don moi-même, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il faut montrer l'exemple. Et au-delà de ça, je me suis dit que j'allais faire une pièce, d'accord, une pièce de merche que je vais vous vendre. Et l'ensemble de cet argent-là recueilli partira pour un don pour cette association. Donc c'est le PCRF, Palestinian Children Relief Found. Il y a un site. C'est carré, ils sont connus depuis très longtemps et reconnus pour l'ensemble de, leur, euh, de, enfin de, euh, de leurs actions. Vous avez euh, le lien dans le chat. Voici l'exemple d'un pull, voici l'exemple également d'un deuxième. C'est un truc vraiment très, très simple, très, 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 très simple. Je n'ai pas eu le temps de les faire pour aujourd'hui, donc je vous, dirai que, enfin, je vous dis qu'ils seront sûrement en vente la semaine prochaine. Et je m'engage également avec ma société de prendre en charge le coût euh, de la matière première. Ce qui veut dire que quand on va vous les vendre, il y aura un prix. Et ce prix-là, 100% de cet argent partiront pour la société. Donc vous, vous récupérez une pièce et l'argent va 100% à la société et nous, on couvre le reste et on fait un don en plus. Donc voilà, je ne savais pas trop comment euh, aborder la chose, prendre la parole, essayer de faire les choses correctement. C'est ma manière de le faire. Et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, parce que c'est une initiative que j'essaie de porter, mais je vous écoute. Donc euh, vous avez des commentaires YouTube et qu'on sort pour pouvoir parler. Voilà les gars, merci à vous euh, pour euh, <laughs> d'avoir écouté sur tout ce début d'émission. Il y avait plein de trucs, mais je vais maintenant introduire euh, l'invité le... d'aujourd'hui. Quelqu'un qui m'a dit si je te réponds pas, c'est que c'est bon. Il n'a pas répondu et ça a été bon. On est ce soir avec Monsieur Adil Rami. Adil, comment vas-tu ça va super, merci et toi. T'as la forme Ça va, je, euh, je vais bien. Franchement, je vais bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tous les gens qui te regardent aujourd'hui vont bien aussi. T'es là, t'es souriant, t'as l'air de bonne humeur. T'es dans un good mood là. Ça va. Écoute, je suis en plein changement de vie là. Tu sais, je suis euh, en pleine transition. Hein, je vis ma petite, euh, ma petite mort. Hein. Tu sais ce que c'est qu'une petite mort C'est quand t'arrêtes ta carrière, t'es hein, à la retraite. Euh... C'est compliqué parce que j'ai plus d'habitude, Je suis un petit peu, un petit peu déboussolé. Je suis là, je suis pas là, j'ai plus la pesée du matin, tu vois ou pas Bien sûr. Euh, je peux faire un petit peu ce que je veux, je suis libre et cette liberté bah, me perturbe un peu, donc, euh, donc euh, j'essaye de. T'as trop de temps libre. Ouais, j'ai beaucoup de temps libre, c'est pas normal, c'est pas normal. Ça fait bizarre. <laughs> bizarre. Je veux travailler, je veux courir, tu vois, je vais être occupé. Alors on m'a beaucoup posé la question et forcément je suis obligé de le, le redemander. Hein, il, on va pas trop hésiter à le faire. Euh, C'était quoi ces pompes <laughs> C'était quoi C'est godasses. Tu vois là j'ai changé, je me suis dit bon. Le problème, c'est que j'ai été attaqué par une bande de Lacoste TN, euh, chose que je mettais il y a au moins une vingtaine d'années, tu vois. Et aujourd'hui, ben, j'ai dû évoluer et, et je me suis, euh, voilà, je suis venu en mode Rick Owens, un petit peu avec un look un petit peu stylé, tu vois, mais euh, méconnu de ils, ils t'ont vanné sévère hein, les bâtards ils m'ont attaqué les bâtards <laughs> ils t'ont vanné sévère ce un soir là mais c'était pas bon bien ça mais ça ça ils l'ont fait non mais là faut que je change de cam attends j'avais J'avais le tu vois ou pas, non, 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 non. Elle est pas la fameuse Goda c'est un mec qui protège-t-il bien les avec le mec là c'est tout ça non mais c'était bien c'est bien mais je pouvais pas répondre j'étais en train de jouer c'est vrai euh, j'ai pris une gifle mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé Amine ah, Ce que je veux dire ça t'a introduit un peu sur Twitch J'ai beaucoup aimé, en plus de ça il faut savoir que j'ai réinstallé mon setup il y a, a 3-4 jours euh, D'ailleurs je suis content d'être avec toi parce que je t'ai découvert grâce à, à tous ces gens qui me disent ouais. Tiens tu sais, le matin je me suis réveillé, j'ai fait un live et j'ai mis en titre tiens je vais euh, Zonon ouais. sur Twitch Qui on peut aller voir Et on me dit va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel et j'ai été de voir Donc je suis content d'être aujourd'hui avec toi parce que je te trouve vraiment très bon Merci beaucoup euh, et c'est comme ça que j je, voilà, je zone un petit peu sur. Voilà. Et grâce à ça, j'ai eu beaucoup plus de, de followers et les gens viennent me voir. Et là, je veux relancer mes lives et prendre du plaisir. Génial. Donc, voilà, comme ça, tu sais comment tu es le ah, temps. Exactement. Alors, bon. forcément, quand on commence D'accord en Libre, on aime bien en savoir plus sur la personne. Donc, je vais te demander de t'introduire. Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît Ah ouais, alors, qui je suis euh, alors, Je m'appelle Adil Rami. Hein euh, T'as quel âge Un petit garçon, bah, j'ai 37 ans. Un petit garçon plein de rêves, euh, insouciant, inconscient, ça, ça n'a pas changé. Voilà. Qui a rêvé d'être footballeur, qui n'a jamais fait centre de formation, qui a réussi malgré tout. J'estime avoir euh, l'un des parcours les plus beaux pour un sportif professionnel. Mmh. Euh, Je n'ai pas été le, le meilleur des footballeurs, mais en tout cas, j'ai un parcours très atypique et, euh, et très encourageant. En tout cas, j'espère inspirer pas mal de monde. Et, euh, et c'était quoi l'autre question C'est quoi le... C'est quel a été ton parcours scolaire Et mon parcours scolaire, en fait, euh, pour que tu... Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Autopsie. Et dedans, j'en parle et je dis clairement, euh, j'ai reçu des bulletins où il y avait carrément marqué élève inconnu. Voilà, je n'ai pas l'école, je n'ai jamais aimé l'école. Euh, J'espère que les enfants qui nous regardent euh, vont pas prendre ne faites exemple pas comme sur ça. moi. <laughs> voilà. Mais j'estime que pour moi, l'école n'était pas, pas adaptée à moi ou pour beaucoup de monde aujourd'hui. De rester assis pendant euh, 7 à 8 heures par jour, C'était pas mon truc. J'étais à fond dans le sport, il fallait que je m'amuse, il fallait que je me dépense. J'étais un hyperactif, je, suis, je le suis toujours. T'étais inscrit à plusieurs trucs de sport quand t'étais jeune Ah ouais, dans tout, tous les sports. Tu faisais quoi -ton, volley, foot, ah ouais, ouais, basket, tennis, euh... basket, euh, tous les stages qu'il y avait, je devais y aller parce que ma mère en même temps elle voulait, euh, voilà, euh, pour que voilà justement euh, capter mon attention, c'était que le sport. Mais je, en gros, je vais te dire la vérité, je déteste l'école ou en tout cas le système scolaire, je le déteste. T'es allé ah, jusqu'à où du coup toi Ah, je me suis arrêté à, à, à 16 ans, moi, à troisième. Dès que j'arrivais en troisième, on m'a dit tu peux travailler, je suis parti, j'ai été mécanicien directement. T'as ah une ouais. formation quand même pour pouvoir être mécanicien. Ouais, j'étais. Ouais, ouais ben en fait il fallait trouver un métier. On, à à l'époque, je me rappelle, on euh, j'étais avec ma mère, on a été convoqué chez le conseiller d'orientation. Classique. Tu connais le fameux. Et là, je suis en face comme ça, tête baissée, regard, regard vers euh, mes chaussures parce qu'à l'époque, je portais des TN. <rire> <rire> les lacets, ils étaient pas connectés. Euh, non, hein non, non, pas du tout. <laughs> Et donc, du coup, tu vois la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Aujourd'hui, c'est une question super con. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je connais rien de ma vie. J'ai pas voyagé. Je sais pas les les métiers tu sais les métiers qui est dans le monde c'est foutre rien euh, et je leur disais ben moi je veux être footballeur elle a me disaient mais ben non c'est pas possible je dis si je veux être footballeur professionnel non c'est pas possible qu'est-ce que tu veux être et là et ma mère qui était un petit peu énervée à côté qui était un petit peu gênée qui avait un petit peu honte et qui me regarde dit bon mais ben, qu'est-ce que tu vas faire comme métier c'est pas un métier footballeur et je dis si je veux être footballeur tu vois et eux dans leur réaction c'est comme si je leur ai dit je veux être superman exactement c'est arrête quoi arrête de rêver t'es et ma mère elle leur a dit, elle a dit bah il y a pas une, une sorte de sport étude ou un délire dans le genre, ouais il y a sport étude a tout le monde, mais c'est du sport, c'est pas du football, c'est pas un centre de formation. À la fin euh, ils m'ont dit euh, bon ok tu vas être footballeur, mais après le football tu vas faire quoi comme métier ah. Et je leur ai dit plus rien, je vais être riche, tu vois. Et donc du coup euh, du coup c'était compliqué, <laughs> donc il fallait que je trouve un métier au final parce que j'étais pas un centre de formation, j'étais nulle part, et j'ai choisi mécanicien. Okay. Mécanicien parce que dans le quartier on a toujours besoin d'un mécanicien justement pour les scooters volés les machins les trucs tu dis tiens d'un mec non. qui a cette qualité de main qui sait il même, prend un petit peu. Mais même pas j'avais aucune qualité la qualité que j'ai moi c'est le mental <laughs> tu vois ou pas c'est tout non je cap parce que euh, moi, moi également mon grand frère euh, il, il s'était organisé enfin il s'était orienté pardon vers tout ce qui était mécanique etc et effectivement au quartier tu as toujours quelqu'un qui s'y connaît un peu même pour retaper un peu les voitures des copains euh, aider compris. un peu et, et puis t'as hein. toujours du black toujours du blague, tu te dis allez euh, voilà donc euh, il fallait que je sois la star de mon quartier le mécanicien, il est toujours connu, il est toujours apprécié à l'EDCO. T'as fait ça combien de temps J'ai fait ça... Pff, le temps de, de passer mes diplômes de CAP, BEP et compagnie, donc deux ans ou deux, trois ans. Mmh. Mais Le problème, c'est que j'ai ai pas été non plus. Je voulais plus faire ça. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours... Enfin, je n'ai jamais cessé d'y croire. Dans ma tête, je voulais être footballeur, tu vois Et à 19 ans, à 19 ans et demi, j'ai eu la chance de faire un essai à Lille. Je peux te dire que je n'ai pas loupé. Bah justement, euh, tu as commencé le football à Fréjus. Euh, D'où elle te vient ta passion pour <coughs> le football tu vois? On a tous quelque chose comme ça. Moi, ce que je demande souvent aux, aux, aux personnes du football, très souvent, on me répond grand frère, père, euh... famille. Est-ce que c'est pareil pour toi ou tu as découvert le truc un peu solo Non, j'ai découvert dans le quartier parce que c'est le sport des pauvres. On va pas se mentir. C'est le sport le, le moins cher. C'est le sport dans le quartier. Tout le monde joue au football. Euh, J'avais un ami qui jouait au foot, donc je voulais rester avec lui. Donc moi aussi, je voulais jouer au foot, mais je n'ai jamais été un grand fan de football. Euh, je suivais, je. Quand je regardais le match, les matchs de foot à la télé, je me disais mais c'est facile. Je voyais rien de compliqué. Ouais. Et. Euh... Étais fan de quelle équipe Alors En fait, j'étais fan du Milan AC parce que mon frère jouait au foot et il mettait toujours les posters du, du joueur du Milan AC. Euh, je sais pas si tu te souviens un petit peu à l'époque. Ouais, bah le bah... style où il mettait les chaussettes jusqu'au genou et il mettait les le lacets en haut. Donc ça tombait. C'était un peu un look un peu. Et j'ai toujours été fan de Alessandro Nesta. le <laughs> ouais. long beau gosse, ouais. tu vois. Et donc du coup, d'ailleurs en parlant de ça, tu vois, je, je rebondis sur un autre truc, c'est que donc j'ai toujours rêvé d'être footballeur, grâce à, à mon quartier, et à mon frère aussi. Et, euh, et quand j'ai commencé à jouer à, à Lille, on est venu me voir et on m'a dit, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton club de cœur, c'est quoi ouais, -ce que C'était sur France 2, Stade 2 à l'époque. J'ai dit, mais bah, moi mon rêve c'est de jouer au Milan AC, de porter le numéro 13 comme Alessandro Nesta, et ça a pas loupé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va revenir dessus, il y a pas de souci. magnifique en vrai le Milo Racé, c'était celui des années 90. Donc tu as 37 ans, toi tu as dû voir les victoires en 92, des trucs. Rien du tout, il faut savoir que j'ai toujours aimé jouer au foot, mais pas l'histoire du football. Franchement, je connais le football à partir du moment où je l'ai commencé en pro. Sinon tu me parles des championnats, tu me parles des champions, des je m'en fous complet, je sais même Platini, il était réellement fort. J'en sais rien de tout ça. Je peux te dire que Maradona, en regardant les images et ce que j'ai vu de lui sur les documentaires, je peux te dire que c'était un, un phénomène. Et à notre époque, il aurait pu faire mal aussi. Platini, je suis un peu moins sûr. Quand tu étais en pro, est-ce que tu regardais des matchs dans la semaine ou alors tu faisais vraiment que tes entraînements et tu jouais Rien ton match du tout. Rien du tout. L'essence vidéo, ça t'emmerdait aussi Ouais, en fait, je regardais parce que j'étais. Euh, ça me. Si tu veux, je regardais l'essence vidéo parce que c'était mon job et que j'allais jouer les mecs. Donc, oui, c'était du aussi. concret, tu vois mais regarder un match de foot je m'en foutais complet et un jour je joue contre l'Olympique de Marseille et j'avais un ami à moi qui me racontait tout sur le football tout 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 et un jour il me dit oh, tu vas jouer l'Olympique de Marseille j'étais à Lille et je lui dis il est comment si c'est il me dit mais il joue pas si c'est ne sait pas du si c'est il me dit si mais il est sur le banc il joue pas lui je dis c'est qui le qui? il me dit mais t'es fou le mec qui joue à sa place il est encore 100 fois meilleur aujourd'hui je dis c'est qui il me dit c'est Mamadou je dis je sais pas c'est qui il me dit frérot c'est un phénomène regarde-le et alors, du coup je regardais les vidéos qu'on faisait tu vois et puis euh, mais je connaissais aucun joueur et aucun euh... joueur. C'est que ouais. franchement c'est dingue parce qu'on on en parle de temps en temps du fait qu'il y a des joueurs qui ont cette passion pour le foot et d'autres un peu moins. C'est la première fois que j'ai quelqu'un professionnel du football qui me dit moi le foot rien à foutre. Ah ouais en fait avant de le commencer je m'en foutais j'aimais jouer j'aime jouer tu vois. Là on parle football je peux t'expliquer exactement tout. Sur oui la tactique le sûr. football et le joueur et la mentalité de ce que tu veux. Logique t'as 20 ans de haut niveau c'est ah pas ouais, étonnant. Va. Mais euh, mais avant ça voilà quoi. il Y a un autre sport peut-être que aimais bien. La boxe. La boxe. Ouais, la boxe peut-être dû à t'es les films de Rocky Balboa tu vois. On les amis mis, remis, ça nous a fait vibrer, ça nous a donné beaucoup d'espoir. Les Brahim Asloum, peut-être en France. On euh, ne même pas. Je même pas. Tu vois, moi, c'était Rocky. Et Mohamed Ali, exactement. Mac Tyson, tous les documentaires sur les grands champions. Je regardais. Je dis pas que Brahim Asloum n'est pas un grand champion. Bien sûr. Mais euh, de voir le, le vrai documentaire sur Mohamed Ali, ouah, ça me. me, me J'aime trop. Alors, tu as eu un parcours atypique euh, en foot amateur. Euh, donc, du coup, tu as été à Fréjus, puis ensuite à Lille en 2006. Euh, justement, il y avait une interview où tu racontais que tu avais fait aussi un essai à Nice. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait rater cet essai et comment aurait été ta carrière, tu penses, si tu avais commencé à Nice Alors là, c'est un peu de la projection du si. Wow, c'est mais... dur parce que je m'étais jamais posé la question si j'avais réussi à Nice. Tu Ouais, j'avoue, euh, c'est compliqué. Mais alors, comment J'ai fait un essai à Nice parce que moi, j'étais à Fréjus. Ouais. Et on me donnait, euh, on parle chiffres, on s'en fout, on me donnait euh, 500 euros par mois en jouant à Fréjus parce que j'avais atteint l'équipe de CFA. Ouais. C'est pour moi euh, inimaginable. Hein. Franchement, c'était. CFA c'était quatrième division à l'époque ou troisième C'était non. La ligue, il y ligue de national, c'est CF... quatrième division. Donc c'est quatrième division. Après, tu avais CFA 1 et 2. Voilà, c'est voilà. ça. Et donc du coup, pour moi, c'était un truc de fou. Sauf que je jouais pas tout le temps, mais on respectait plus les joueurs de l'extérieur. On les recrutait, ils venaient, ils faisaient que du football, tu vois. Et moi, pour, pour toucher un salaire de 2 000 euros, il fallait que je ouais, de 1 600 1 700 euros, il fallait que je prenne donc les 500 euros du club et les 1 100 euros. De la mairie de Fréjus, parce que j'étais rentré à la mairie de Fréjus. Je ouais. travaillais là-bas en tant que mécanicien. Ce que tu racontais, la, la mairie avait fait une disposition voilà. pour que tu puisses et faire du foot et, et travailler. Exactement, mais ce n'était pas facile. Mais en même temps, on ne me respectait pas à Fréjus. On m'appelait, je te le dis dans mon travail ou dans mon équipe de foot, on m'appelait sans cerveau parce que je ne réfléchissais jamais, je voulais m'amuser. Le côté un petit peu euh, enfantin que je suis, ça laissait dire aux gens que j'étais un petit peu euh, voilà, un sans cerveau. Euh, et donc, du coup, euh, un jour, il y a un joueur qui était à Fréjus euh, qui m'a repéré. Euh, il me dit, mais tu sais que tu as des qualités, tu devrais faire un essai. Ok. Et je lui ai dit, euh, allez, let's go, fais-moi faire un essai. Tu jouais à quel poste à ce moment-là Je jouais numéro 6, latéral droit. Numéro 6, c'est la J'ai jamais droit. joué en défense centrale, moi, de ma vie avant ça. Bah, c'est marrant de voir qu'il y a beaucoup de latéraux mmh. qui ont aussi joué numéro mmh. 6 mmh. ou mmh. des fois mmh. au milieu, tu vois. Ça, franchement, ils te mettent où ils veulent après quand tu arrives en pro, mais. Et, euh... Et du coup, ils m'envoient à Nice. Mais à l'époque, de Fréjus, il ne voulait pas qu'on aille faire des essais à Nice. Il ne voulait pas qu'on aille faire des essais. Je ne sais foutre rien. Pourquoi ah, Ils étaient jaloux. J'ai menti. J'ai menti, j'ai dit que j'allais aller voir mon père à Toulon, mes parents étaient séparés. Et je suis parti faire mon essai donc à Nice tranquillement. Et, euh, et un jour, le club des Fruits, ça a appris que j'étais à Nice pour faire un essai. Et au bout du troisième jour d'essai, j'ai dormi là-bas, au centre de formation de Nice et tout ça. Troisième ou quatrième jour, ils sont venus. L'OGC Nice est venu me voir à 6h du matin, me réveiller pendant mon sommeil. Il me dit, euh, pour, jouer, pour être footballeur professionnel, il ne faut pas être un voyou. Tu es un voyou, tu es en fugue on veut pas de ce type de personnage là et m'ont dégagé du centre de formation de Nice. Genre ça a été tu prends tes clics tes claques ta voiture ouais. tu dégages. J'avais 18 ans. Ouais. et je suis rentré, je me rappelle sur la route, il y avait une Golf 2. Je suis rentré et là je me suis dit euh, je me suis dit c'est mort. Plus jamais de ma vie je pourrais être footballeur. Là j'étais là, j'ai pris vraiment un coup et je me suis dit bon bah allez, let's go. Du coup la mécanique qu hein. Qu'est-ce qui s'est passé je, me suis, je suis resté à la mairie de Fréjus, j'ai demandé un crédit donc j'avais un CDI, j'ai fait un crédit pour une voiture. J'avais acheté une Mégane 2 qui venait juste de sortir à l'époque parce que pour moi à l'époque, il fallait une belle voiture. Avec du bon son pour pécho. <laughs> euh, tu vois ce que, <laughs> que Désolé, je veux dire? Disons que t'étais limité sur un... les volontés, quoi. Il faut savoir que j'étais un. Enfin, j'ai un très très grand séducteur. Non mais Adieu. Mais... Ah, déjà, déjà, ça se voit ton regard, ça se voit, il aime bien, ça se voit. Mais, je mais, voulais une voiture. Mais là, surtout, c'est la mentale. Le seul mec qui m'a dit j'ai fait un crédit pour Flex dans ma vie, c'est Joël. Joël Postbad, d'accord Lui, il avait fait un crédit pour des Air Force. Toi, euh... pour la voiture. Oui, 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 oui. Si on veut être honnête, à cet âge-là, c'est un délire oui, oui. un peu. Alors, je me permets l'expression, mais c'est un peu de con d'étudiant, quoi. Tu ah, sais, de jeune, quoi. C'est débile. Je voulais crédit voiture, je voulais une copine, je voulais, tu vois. Et euh... là, c'était mort pour moi, tu vois à l'âge de 19 ans avec cette propre cette même voiture où j'avais un crédit pendant 15-20 ans, euh, il s'avère que j'ai fait un accident de okay. voiture très grave. J'ai fait des tonneaux, mais j'ai rien euh, physiquement, j'ai rien, j'ai eu des séquelles sur le crâne, tu vois, mais rien eu. Euh, le lendemain de cet accident, j'ai tout perdu. Voiture à l'épave. Ouais. Quand ta voiture va à l'épave, t'as ton crédit à payer et t'as l'épave à payer. Parce que j'ai des frais de, de trucs. Chauds. Et là, je me dis, ça y est, c'est mort. Et le donc l'accident se passe à 3h du matin. Donc quelques heures après me convoque à Fréjus et on me dit euh, viens voir dans mon bureau j'ai à te parler au oh club de Fréjus non, 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 tu vois mais attends frère et ouais. je me dis c'était un jeudi soir donc vendredi matin et je me dis ça y est je vais être viré du club parce que j'ai déjà été viré du club euh, à l'ES Fréjus quand j'avais 15 16 ans euh, j'arrive dans le bureau il me dit ferme la porte le coach s'appelait euh, euh, Briard coach Briard Daniel Briard il me dit euh, ouvre le courrier devant moi ah, il faut savoir que je suis dyslexique alors le temps d'ouvrir le courrier et de lire il a fallu une demi-heure <laughs> J'ouvre, il me dit, tu sais ce que c'est Et moi, je vois le slogan du LOSC. Je dis, non. Et il me dit, attends, tu l'as lu Je dis, oui, j'ai lu. Et moi, en fait, quand je lisais, quand je lis, je ne comprends pas ce que je lis. Ouais. Il te faut un petit temps de... Voilà, de il faut que ouais. je... Relève, et, et je lui dis, c'est un club de foot. Il dit, ouais, mais tu sais c'est qui Je dis, non. Il me dit, tu touches combien par mois Je lui dis, 1600 euros. 500 euros de la mairie de, euh, de vous et, et 1000€ de, de SMIC. Et il me dit, euh, tu peux doubler ça par 10 avec ce club-là. Tu sais c'est quoi la Ligue des Champions Je dis, non. Il m'explique ce que c'est la Ligue des Champions. Il me dit bah, Ce club est en Ligue des Champions. Il me dit Tu vas faire un essai chez eux d'une semaine. Voilà. Et il veut que tu le dises à personne bah, J'ai un pas d'un coup. Je dis Ok. Et donc, du coup, il ne savait pas que j'avais fait l'accident. Donc, j'ai fait l'essai avec le, le front euh, plein de séquelles. Ouais, ouais. Ça ne se voyait pas. Oh là là, pour les, ouais, les duels à, duel à la tête. T as, t as tout compris. <laughs> pour le jeu rien, mon gars. Et, là, et là, je me suis dit Mon Dieu, comment je vais faire pour m'en sortir Je fais l'essai d'une semaine. Je suis en centre de formation à Lille. Je quitte le sud. Je vais à Lille. Le choc thermique. Je vais pas mettre la tête. Et je me dis waouh. Et le seul truc qui me vient, c'est jouer avec tes qualités. Tu ne cherches pas à dribbler, tu ne sais pas dribbler, mets des tampons, fais des transversales comme tu sais faire et va au duel. Tu vois. Et une semaine de folie, ils m'ont gardé. Ils m'ont dit, oh là, on va te garder un an. Un an, tu vas retourner au travail, à la mairie. Tu vois. Ils m'ont dit mot pour mot. Là, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Planck, qui m'a dit au bout de huit mois, il m'a dit, franchement, tu as un gros potentiel. Je vais t'envoyer faire un entraînement avec Claude Puel une fois. Ouais. Il y avait tous les mecs qui étaient partis faire la saison internationale, tu es la trêve. Ouais il fallait des joueurs en eh, place c'est à ce moment là en général où les jeunes ils arrivent à toucher incroyable. leur premier groupe pro j'y vais, le coach il me dit bah écoute tu reviens demain je, tu vois, je te jure hein, incroyable, je reviens le lendemain il me dit tu restes la semaine avec nous je reste la semaine, il me dit bon bah je te prends avec moi en match. C'était en 2006 à l'époque c'était qui les attaquants c'était Fauvergue, Matmoursi 2006-2007 c'était dans Matmoursi venait juste de partir mais c'était Fauvergue exactement. Il y avait Kader Keita il y avait euh, Peter Odewingi. Ah oh, Peter ah, Odewingi il avait, lui il est incroyable. Élastique, lui. Mais tu rappelles cette équipe de Ligue des Champions c'était un truc de malade. Peter Odewingi moi quand j'étais jeune je le trouvais trop non, fort. Mais il y avait des phénomènes vraiment. Déjà il y a une histoire de fou. Le frérot il est ouzbek nigérian. <laughs> C'est vrai t'as raison. Mais tu déjà, vois déjà il y a un souci. Mais tu <laughs> vois tous ces mecs là tous ces mecs Jean de, Jean de Macoun, tout ça. Je te le jure, ils m'ont pris sur, sous leur aile, mais c'était une dinguerie, vraiment. Mais par contre, tu vois, j'avais une mentalité où tu vois que dans mes yeux, j'avais peur de personne. L'insouciance. Ouais. Tu me regardes, y avait, il se passait rien dans mon visage. Tu savais que je pouvais t'arracher une jambe à tout moment. J'avais un, un mental, mais il y a personne qui pouvait parler avec moi, tu vois. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est comme ça que j'ai réussi. Ils m'ont appelé, Claude Pell m'a dit, écoute, tu vas rester avec nous. On va te faire signer un contrat. Donc je vais va dans les bureaux, je me rappellerai toute ma vie. Je suis tout seul. J'ai pas d'agent, j'ai personne Pas moi, de représentant, rien. rien Même personne. pas ta mère, telle être qui était montée pour l'occasion. Personne, parce que personne ne savait, personne ne se doutait, tu vois. Et, euh, et ils me disent Bon, bah, tu vas signer contrat pro. Je suis comme un fou. Bah oui. Je leur ai dit S'il vous plaît, faites-moi un contrat de deux ans. Je me dis Non, un an. Je lui dis Non, deux ans. Je lui dis Parce que là, j'ai vécu un an entre la mairie de Fréjus où je suis venu avec vous. Ouais. Vous m'avez dit d'avoir un essai d'un an. C'était trop stressant pour moi. Mais si vous me deux ans. J'aimerais bah, bien avoir un peu de stabilité. Je retourne tout le monde. Ouais. Je te jure, ils m'ont dit, OK, on accepte deux ans. Je, je signe mon contrat, deux ans de contrat pro, donc avec un salaire de 2500 euros par mois. C'était un jeune pro, tu vois. Je mange avec François Vitali, qui était à l'époque recruteur des jeunes. Oui. Et le club, et ils me disent, c'est quoi tes ambitions Comment tu vois ton avenir Et maintenant que j'ai signé mon contrat, je leur ai dit, je leur ai dit, bah, tu sais quoi J'ai signé deux ans pro. J'ai deux ans pour être titulaire à Lille, le chouchou de toutes ces dames. Je ça, tu vois. Et après, je toucherai l'équipe de France. Ils m'ont dit, putain, t'es ambitieux toi. <laughs> T'as de la suite dans les idées, Eh euh, ben bah, euh, bah, Même pas un... quelques mois après, Boum Domenech m'appelle et l'envole. » Voilà. Comment se sont passés justement les premiers contacts et les premiers passages à Lille Genre, est-ce que déjà ça t'a fait, à quel point ça t'a fait un choc de passer, tu l'as évoqué vite fait, mais du sud au nord, tu vois, genre dans un appart, solo, sans doute de mal loin de ta famille. Après, on voit que tu avais des idées, là, à 18 ans, de sortir de machin. Est-ce que ça t'a pas trop perturbé Est-ce que ça t'a pas trop dérangé dans tes premiers entraînements Et comment ça s'est passé ton intégration, genre, dans le club Dinguerie. Je suis arrivé, je te jure, j'ai quitté Fréjus pour Lille. Pour moi, Lille, c'est une grande ville. J'avais ma première fois que j'ai un appartement. J'avais rien dans un canapé. J'avais pas de télé. J'avais pas de voiture parce qu'elle était éclatée avant. Euh, ouais, ouais. Éclatée. Elle était encore à la casse. J'appelle ma mère. J'arrive dans l'appartement. Je suis content. J'ai un appartement. Je sais que je vais pécho. Je vais pas te mentir. Je dis voilà, j'arrive à aller dans une grande ville. Il y a plein de filles. Je pense à ça, moi, au départ. Tu vois J'appelle ma mère. Je dis maman, comment on fait des pâtes je <laughs> sais pas faire à manger, je sais rien faire. Je ne pas un Exactement. Je sais rien faire. J'ai acheté des pâtes, je mangeais que des pâtes et du steak. Et là j'ai commencé à découvrir, Je j'ai des pâtes charal, euh, des steaks charal, à l'oignon, moelleux. Je me dis, waouh, c'est ce que je mangeais avec ma, mon père et ma mère à la cafétéria tu vois ou pas le délire. Enfin, bref, j'essaie de faire une déco, ma déco elle est dégueulasse. Chez moi, c'est voilà quoi, c'est un appartement de mecs euh, qui squattent, euh, une sorte de squat. J'arrive à mes premiers entraînements, je m'imagine que c'est tous des phénomènes, mais en fait, je me rends compte que moi, j'ai quand même 19 ans, et ils ont tous 15-16 ans, les mecs en fait, dans les clubs pro, c'est des jeunes. Bah oui. Et en fait, je m'aperçois après qu'ils m'ont pris pour encadrer ces... En fait, ils te prennent que des jeunes de, de 15-16 ans, et ils te prennent toujours deux trois gars qui viennent de l'extérieur de 19-20 ans. un peu pour... plus âgés pour les... Parce que quand tu vas jouer contre des clubs euh, amateurs qui vont au charbon, il faut ce genre de type, tu vois, comme moi. Et moi, j'étais pas du tout dans leur. Dans leur dans, enfin, dans, pour le club, j'étais pas. Ils m'ont pas pris en gros pour me dire voilà, tu vas faire un an et après tu vas aller en pro. Non. Moi, je suis là pour encadrer les jeunes. C'est les jeunes qui vont signer pro, pas toi, tu vois. Enfin, bref, je rencontre ces jeunes-là. Ça jeunes a un peu le destin, quand même. Hein. C'est un truc de fou, je l'ai fracassé. Et là, je rencontre des, des gars, normal, tu vois, et on est tous dans, la même, dans le même délire. Où on veut tous être pro. On rentre après le foot, on prend le métro. Je connaissais pas le métro. On et viens en manger toi, viens en manger moi, non, viens en vos KFC, truc de centre de formation, tu vois, et je découvre. Et euh, Tu rattrapes un peu le retard. Mais laisse tomber, et puis je sors, et puis, et puis je bois, et puis tu vois. Mais en même temps, je veux réussir, donc je fais attention. Euh, je me dis, bon, ben, j'ai match le dimanche. Il faut savoir que quand tu es en club euh, pro, comme Lille, le match, les mecs, ils jouent le vendredi ou le samedi, et dimanche, toi, tu joues à 15h, et ceux qui n'ont pas joué avec l'équipe pro jouent le lendemain. tu vois, avec nous. Je me rappelle, le premier match avec Lille, on joue le dimanche. Euh, les convocations se font le samedi parce que ça dépend des joueurs qui ont joué et qui n'ont pas joué en pro. Il y a 10 joueurs de l'effectif pro qui jouent le dimanche avec nous. Donc il reste plus qu'une place de titulaire. Ok. Il me fait jouer avec les titulaires pro, tu vois. Donc je suis latéral droit et je joue titulaire, tu vois. Enfin bref. Et là je découvre la vie en fait. Je découvre les bars, je découvre les restaurants, je suis là, je suis... C'est une dinguerie en fait. Pour moi c'est une nouvelle vie. Tu vois, je suis lâché tout seul et je fais ce que je veux. Je comprends. Mais en même temps, tous les jours je m'entraîne. Mais dis-toi que j'ai pris 10 kilos de muscles. Euh, mon cardio, il était impressionnant avec un 20 VMA. Euh, franchement, je craignais des gains. C'était, je m En fait, moi, il faut savoir que je veux tout. Je veux tout. Ça veut dire que je suis arrivé à Lille, je veux rencontrer des filles à ce moment-là. Je veux sortir, je veux découvrir la grande ville. Et en même temps, je vais réussir. Et j'arrivais à aligner tout ça. Tu vois Justement, vu que tu n'as pas fait de centre de formation, forcément, la question, c'est footballistiquement, quand tu arrives, tu n'as pas déjà des lacunes Rien. En fait, j'ai des lacunes sur des jeux réduits, parce que ça joue vite, il fallait capter le, le système, tu vois. Mais à ce moment-là, je me repose sur un truc, c'est jouer avec tes qualités. Je me, à ce moment-là, j'ai l'intelligence de me dire que je ne suis pas comme tout le monde. Enfin, chacun est... On est tous différents, tu vois. Lui, il va être technique, lui, il est rapide, lui... Ok, je ne cherche pas à être quelqu'un que je ne suis pas. Et moi, là où j'étais le plus fort, c'était en cardio. J'étais sais que j'ai un cardio de patard euh, Donc, j'étais très, très endurant, je suis très endurant. Et j'ai un mental d'acier, tu vois. Je laisse rien. Enfin, et à mon apogée, avant de me passer, il fallait t'accrocher. Hein. <laughs> Donc, moi, je le dis avec beaucoup aujourd'hui. beaucoup La main ou l'homme, mais pas les et, deux. Et d'autodérision, tu vois, aujourd'hui, parce que tu quand tu prends arrive à 32, 33, 34, tu descends, c'est plus compliqué, t'as des blessures. Et puis, mais un animal. Un, tu m'avais sur le dos, t'étais pas tranquille, hein, tu vois. Et, et en, plus, en plus de ça, tu rajoutes le côté où j'avais faim et je voulais prouver. Et c'est pour ça que mon ascension, je le, je, je le dois à mon mental, tu vois. 19 mai. 2007 c'est la date de ta première titularisation en Ligue 1 contre Auxerre exactement c'est au côté de Raphaël alors que t'étais jamais entré en jeu en pro avant euh, une défaite de 1 face à Auxerre parle nous de cette première rencontre et de ta réaction quand tu t'es vu sur la feuille de match parce que forcément les gars on parle généralement les jeunes euh, ils rentrent un peu 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes Adil première année première partie de l'année donc vous allez sur son transfert il est pas dans l'effectif ensuite il fait 2-3 <laughs> bancs ensuite il est titu ouais, exactement je fais 2 bancs euh, D'ailleurs, quand je fais les deux bancs, je me dis à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, je veux pas jouer. À aucun moment, je veux jouer. J'ai très peur, j'ai vraiment peur. On joue contre Auxerre. Avant Auxerre, déjà dans les journaux, on parle de moi en tant que titulaire. Je me dis, c'est pas possible. Il faut savoir que c'est Claude Puel, l'entraîneur et il dit jamais l'effectif avant. Là, on arrive, j'ai la pression, j'ai une boule au ventre. Jeff, est-ce que tu avais que... entendu parler un peu Je me dis, je vais jouer au foot, je vais jouer en pro. Tu vois Il faut savoir que dans ma région, dans mon, dans mon quartier, dans ma ville, Fréjus-Sarafel. Quand il y a un mec qui a joué un match en pro, on en parle comme si c'était le Messi. Dans ma tête, je suis compétiteur. Je me dis, si je fais un match, déjà je je vais dégaler. Tu vois ou ben, pas Je vais retourner là-bas. Dans, là ils vont dans ma ville. ville. En fait, dans ma tête, j'y vais step by step. Tu vois. Sauf que après, il y a la réalité qui me rattrape. Je suis là. On est en, on est en réunion d'avant match, quelques heures avant le match. Il donne l'équipe. Il lève le paperboard. Il lève la page et je vois mon nom titulaire. Tout Ce qu'il dit à partir de ce moment-là, j'entends plus rien. Il est là. Je te jure, je suis assis. Avec les consignes, les machins, rien. Je suis assis, je te le jure vraiment. Je suis assis, la tête de ma mère. Je regarde tout le monde. Enfin, je regarde le coach. Il y a tout le monde qui est assis comme dans une classe, tu sais. Il parle, sa voix, Il y a rien qui sort pour moi. J'entends rien. Et je me dis, je lui dis, je lui dis pas. Je lui dis, je lui dis pas. Je lui dis que je veux pas jouer. Je suis pas prêt. Ah, j'ai trop peur. <laughs> je lui dis que je veux pas jouer. Là, écoute, là, je te parle, je te parle, je te le jure en te les parlant. Je te parle, je te jure, en te parlant. Il faut, savoir, il faut savoir un truc, c'est que huit mois avant, j'étais mécanicien. Tu vois ou pas bah, C'est huit mois avant. Et là, je me dis, OK, alors, donc, pendant qu'il faisait le speech sur les joueurs adverses, hein, OK, donc là, je vais attendre que tout le monde sorte. Et à la fin, je dis, attendez coach, je suis pas prêt. Tu vois ou est-ce que, et là, à ce moment-là, la phrase qui me vient, c'est, Adil, fais confiance à ton putain de destin. Donne tout ce que tu as donné et laisse faire le destin. Tu vois Laisse faire les choses. Je me lève et je suis le move comme un mouton. Ferme ta gueule et tu dis rien. Tu dis rien à ce moment-là, tu lui laisses pas transparaître le stress. J'ai tellement peur, je te jure, j'ai peur, vraiment. J'ai peur parce que j'ai regardé un truc sur moi, sur euh, Mac Tyson, sur le documentaire, il disait que son premier combat, il est parti en courant de, du ring, parce qu'il avait peur. Mm. Et je, je l'ai compris, tu vois. Et je me dis, waouh. Et là, tu sais quoi, je lui dis rien. J'arrive, en... l'échauffement et tout. Je me dis, waouh, je suis professionnel. Mais c'est dur d'être focus parce que moi, l'ascension, elle a été rapide. Bah oui. Tu T avais vois, les jambes en coton un peu bah, à Mais de fou, mais dis-toi que même ma famille, ne, ne, ne ma, enfin, ma mère, elle a été convoquée plusieurs fois à l'école parce que je devais être viré, j'ai été viré, tu vois, c'était une galère pour ma mère, elle savait pas quoi faire de moi, tu vois. Coup d'envoi. Je suis là, avant le coup d'envoi, je te jure, je suis là contre Auxerre là-bas. Et je vois le stade, il est plein, je vois les flashs. Moi, ce qui me vient à la moment où je te parle, c'est des gros, les gros projecteurs et les flashs. Coup d'envoi, ça passe. Une passe, deux passes, ça vient sur moi direct. Nick, sa mère, je me on est 11. Fais à quelqu'un d'autre, tu vois. Je contrôle le ballon. Je vais me mettre. Mettrai... Non, mais euh, contrôle propre, mais je me dis, je vais la dégager. Dégage-moi ça, tu vois. Cette merde-là, c'est quoi ce truc Je veux pas de ce ballon. En plus de 2007, il y avait moi, on repart de l'arrière. Écoute-moi bien, c'est à Calais. Rappelle d'à Calais Phénomène, il arrive sur moi. Quand le gars à Calais, il arrive en <a raison rire> sur toi. Je me dis, waouh, il est venu aussi vite. <laughs> Dégagement, je me fais contrer. Donc, bon il va, il va, je sais pas, tu vois. Mais là, je montre côté un peu. C'est pas grave. Je dis, ça y est, c'est passé. <laughs> tu vois ou pas Maintenant, j'avais une boule ici. Et là, allez, c'est parti, tu vois. Et la tête de ma mère, je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps. Ce match-là, j'ai été énorme. Accalé, pas accalé. J'ai mangé tout le monde. Et première, première inter interception, première intervention, je me suis dit, mais c'est pas des aliens, les mecs, en fait. C'est des hommes, comme moi. Entraînés, non, en comme fait, moi. J'ai mis un coup d'épaule, deux coups d'épaule, j'ai taclé. On m'a applaudi. Ah ouais, c'est ça le football Et là, c'est parti. C'est parti, on a perdu demain. J'ai eu un 6 sur 10 dans l'équipe. C'était Rami le coup de poker. C'était euh, le mec qui s'est senti à l'aise. Et là, je me suis dit, vas-y, j'en vais encore. Et c'est reparti le deuxième match contre Rennes. Phénomène. Et là, dis-toi que je venais juste de signer mon contrat pro. Prolongation, j'ai enchaîné au moins trois prolongations en l'espace d'un an. C'était euh, fini pour moi, tu vois. C'était quoi la plus grosse différence entre le pro et l'amateur euh, Surtout en défense, je pense, ça se voit. T'as pas le droit, ouais. Alors, le, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup joué en défense centrale en amateur. Mais c'est beaucoup plus discipliné et ça va beaucoup plus vite. Tu vois, euh, tu contrôles. Faut, faut voir avant de recevoir. Faut aller vite. Euh, la différence c'est en match, tu sens que y a beaucoup plus de puissance. Tu suis fait une erreur, t'es mort, les mecs. Mmh. En amateur, tu loupes, le, tu loupes un truc. Tu te dis bon, es le moins mec puni. T'as plus de temps voilà, de dans, voilà, le dans voilà, les pieds. En pro, quand j'ai commencé mes premières erreurs, je te jure, le mec il finit ça, je me dis wow, oh, le bâtard, il a pas pardonné, tu vois. Et après aussi ce qui change, c'est tout ce qui est l'exigence et la concurrence c'est Un truc de dingue en pro, tu as une concurrence et une exigence. Elle est, elle est, c'est pas comparable. Tu en concurrence avec qui, toi, à l'époque? Tout le monde, tout le temps, tu es tout le temps en concurrence, tu vois. Moi, moi à un moment donné, quand je suis arrivé en pro, dès que, que j'ai vu que je pouvais euh, jouer pro, signer des contrats pro avec beaucoup d'argent et, et, et monter dans mon, dans ma progression, tu vois, j'étais en concurrence avec la terre entière. Ça veut dire que je jouais, donc, j'avais mes concurrents parce que je suis un énorme compétiteur. Pour arriver, pour faire ce que j'ai fait, il faut être compétiteur, tu vois. Mais malade de compétition. J'avais la concurrence dans mon propre club. Donc c'était mes amis, mes coéquipiers. Mais en même temps, il y a une concurrence, tu vois. Chez moi, je faisais du sport tout le temps pour avoir une sorte de... Prendre de l'avance sur ouais. eux. tout le temps, il fallait que je prenne de l'avance sur eux, tu vois. Euh, mais en même temps, j'avais la concurrence sur les mecs de l'équipe de France qui jouaient ailleurs. Et je les regardais. Je regardais maman de Soko ce qu'il faisait. Est-ce qu'il a été bon Est-ce qu'il n'a pas été bon S'il n'a pas été bon je me nourrissais de, de comment il a, il a été tu vois je me dis il a pas été bon grâce à ça je vais être meilleur tu vois okay. et quand il marquait ou qu il est, quand, quand je voyais qu'il était bon Mamadou Sako ou autre hein, Mangala ou tous hein, ou Mec CS machin ouais, c'était les noms de l'époque qui, qui, qui tournaient autour de l'équipe qui a fait l'Euro 2008 et, et, et après le CDM 2010 et tout. je regardais tout le monde et je me disais ok il a joué comme ça il a joué comme ça ok c'est le moment pour moi de mettre un coup de fouet tu vois et de et c'était comme ça que... Mais ça, c'était compliqué à gérer. <laughs> ce qui me fait marrer, si on reprend un peu ce qu'on disait par rapport au début de l'interview tu regardais pas de foot, au final, ouais. la seule chose que ça fait regarder le foot, c'est ça a été... Ça a été pour oh, voir comment tes concurrents, ils jouaient. Tous, <laughs> nombre, nombre de duels gagner de la tête. Je voulais être le meilleur. En Ligue 1, c'était souvent moi là, qui faisais partie des trois meilleurs joueurs de, de, de tête de Ligue 1, tu vois, euh, défensif. Donc, je faisais attention à tous ces petites stats. Mm. Et c'est comme ça que je voulais progresser, tu vois. Et donc... Euh, ah, C'était Franchement, je me rends compte que. Laisse tomber. Tu sais que, euh, avant qu'avant de te parler, avant d'arriver ici, là. Ah, Dis-moi. J'ai oublié que j'étais footballeur. Hein. <rire> <rire> bah, tu, tu me remets dedans, là. Bah, ouais, Mais t'as de bons souvenirs. Hein. Vraiment, bah, as de Quand même, bons je l'ai vécu. Ouais, rien à dire, t'as de bons souvenirs. Tout le monde ne ressort pas les souvenirs comme ça, je te le dis. Hein. C'est donc d'après, tu fais justement euh, le premier match avant de rater euh, quelques semaines. Et c'est une période un peu difficile pour Lille. Euh, trois victoires seulement sur les 17 premières journées. Énormément de matchs nuls, quelques défaites. Comment c'était cette période, sachant que tu en plus été titularisé dès ton retour Ah ouais, on a fait quoi nous Tu m'as dit Alors, vous faites trois victoires sur les 17 premières journées. Ah ouais Ouais, c'est cata. La saison, on a fini pourtant, on a fini pas mal, je et crois. Et on finissait septième. Donc, ouais, en fait, ouais. vous avez remonté ah, la game. Ah d'accord, d'accord. Et toi, dès que tu reviens titulaire, ça commence à se Ah, mais attends, je crois que si ma mémoire est bonne, à l'époque, Puel. Avec Claude Puel, je... ah oui, alors il faut savoir que c'est bizarre. Parce que ce que je vais te dire, c'est que mon premier match. J'ai joué pro les deux derniers matchs. Ouais, voilà, c'est bon. ça. Voilà. Et ensuite, début saison, pro. Et, deux, voilà, et la, le premier match contre Lorient, mm -hmm. je me fais les croisés. Je me fais les ruptures partielles. Ouais, voilà. Donc, je suis hors terrain pendant quatre mois. C'est ça. Donc, je ne fais pas partie de ce que tu me dis comme stade. Non C'est Lille qui était comme euh, ça. Je okay. pas dit à Rami. Non, non, non dit je ne suis pas, pas en train de dire que tu m'accusais. <laughs> je, <laughs> je, je, <laughs> je suis en train de réfléchir. En fait, je refais mon histoire. Vas-y. Il va me dans un coin. Non, non, non. Et il me semble bien que cette période-là, on était. En fait, on n'était pas top sur le nombre de de victoires, mais pas non plus au nombre de perdus parce que on était, je crois qu'on avait enchaîné pas mal de matchs nuls. Vous aviez l'aller nul. Avec le duel, j'étais abusé, des je crois. Ouais, voilà, ça me parle. Oh là, ça, oh, ça date. Et j'étais revenu. On parle l'émission. Putain, et je, et je suis revenu contre Auxerre, comme par hasard, euh, avec mon problème de genou. Euh, et après, je me souviens plus de cette saison. Je me souviens, franchement, je me souviens pas de grand chose. Pas de souci, bah, je peux te la dire. Euh, vous revenez, vous vous relevez et vous finissez septième. Ouais. Alors que la, la saison était compliquée. Et surtout, au final, pourquoi est-ce que je l'aborde C'est que c'était ta première saison, toi, petit De ouf. De ouf. Je, on, on, mais non, mais aussi, aussi c'est bien parce qu'il faut savoir que cette équipe-là, Lille a fait un énorme travail parce que je jouais avec les gars qui étaient avec moi en CFA. Je jouais avec. Il euh, y avait Peter Franca, il y avait Aurélien Chedjou, il mmh. y avait Johan Cabaye, Debuchy, il ouais. y avait Michel Bastos, il y Emerson. C'est un truc de ouf. Donc, après, il y avait les, les anciens qui étaient toujours en pro, mais y avait beaucoup de, de joueurs qui étaient avec moi en CFA. Et qui sont euh montés, ouais. ouais. et ça, c'est magnifique. Parce que, un truc qui est beau, j'ai eu Rio il y a quelques vouloir. mois, ouais, exactement. Et on a fait une belle émission, etc. Et en fait, vous avez été au club à la même période. Exactement. Donc, carrément, j'ai pu reprendre certaines des questions que je lui ai posées parce que ça concerne la même ouais. période. Et donc, du coup, je voulais qu'on en discute. Avec le LOSC, on a vu une vraie progression linéaire. Donc, 7 en 2008, c'est la saison dont on vient de parler. La saison d'après, 5 Ouais. 2009, vous retrouvez la Coupe de l'UEFA, donc l'Europa League à l'époque. Quatrième en 2010, avec une campagne de Coupe de l'UEFA où vous sortez face à Liverpool. Quatrième en plus, quatrième. Tu sais que le pauvre Kaba il a pleuré le pauvre. C'est de la ça. dernière journée de, à Lorient. À Lorient, pardon. Ouais. Et enfin, champion en 2011. Raconte-nous justement cette période de progression de l'équipe, d'année en année, première ben, premières campagnes européennes, ces premiers trucs-là. Moi, la première chose qui me vient, c'est en fait, on a gardé le même, même effectif, le même groupe. On a appris à se connaître, on a vécu les mêmes... Euh, euh, même déception tu vois euh, et puis euh, et puis le club changeait à chaque fois deux ou trois éléments pas plus tu vois mmh. et ça fait qu'en fait on avait un groupe euh, on avait un groupe parfait franchement c'était avec l'ambiance qu'on avait elle était magique on jouait au football on avait une attaque tu sais, tu sais que il y a la saison on était champion Moussa Moussasso, Moussasso c'est incroyable mais tu sais que l'année où on est champion moi j'aimais bien faire des gestes derrière parce que je voulais me montrer Ouais. crocher j'aimais bien prendre le ballon dribbler tout le monde mettre des frappes de 30 mètres tu vois il fallait qu'on parle de moi. Cette année-là, on était champion, je me suis fait chier. On avait devant, on avait devant Hazard, Gervinho, Mousasso. Ils plantaient des buts tous les week-ends. J'avais rien à faire. Je défendais, mais je ne pouvais pas être meilleur que. Ouais, je ne pouvais, pouvais pas te montrer. Je hein. me sentis dans l'ombre. Je me dis merde, tu vois. Donc je tentais des choses. Mais c'était des phénomènes. En plus, au milieu de terrain, tu avais Balmont, Cabaye et, euh, et Mavouba. Les 3 minutes de terrain, ils dépassaient pas les 1m70, mais c'était trois phénomènes. L'endroit derrière, dans les, dans les cages, c'était un truc de fou. Franchement, même Chetju, il, en, il, il enchaînait les petits ponts. Je me suis dit, ouais, c'est quoi cette équipe Tout le monde va bien Tu <laughs> sais qu'on a fait le record hein, cette année de victoire, donc, de victoire. On gagnait des matchs, 1-0, 2-1, machin. Et un jour, on gagne 4-0. On après 4 après 4-0. Tu sais combien de fois on l'a fait ça ou pas combien? Le record en France. Combien 8 fois d'affilée, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 8 fois d'affilée, 4... est-ce que c'est pas une dinguerie Exceptionnel. Et on joue contre Paris, la série s'arrête, on bat Paris 3-1. Je me dis, c'est quoi <laughs> ce truc de C'était incroyable. Bah, ça gagne quand même, c'est le principal. Oh, Rappelez tout le monde, je te dis la vérité, on tabassait tout le monde. Et après on était en Europe, en Ligue aussi. Ouais. Ah, justement, je voulais parler de ce match face à Liverpool. On s'est fait terminer, se laver. Ah, ouais, mais découvrir Anfield et tout ça, machin, ça devait être la folie même pour toi, non J'étais super triste moi. C'était l'un des... En fait, je crois vraiment que tellement que j'étais en, en ascension incroyable, on parlait, tout le monde parlait de moi. Et là, on commence à, à me dire dans mes oreilles, Liverpool est intéressé. Liverpool si. Liverpool ça. Liverpool te regarde. Pourquoi Parce qu'on fait une campagne où je, suis, je monte en progression. Les mecs s'intéressent à mon parcours. Putain, le mec, il n'a jamais fait son formation. Il arrive à ce niveau-là. Il faut savoir que c'est moi qui ai emmené... À moi, entre parenthèses. Mais... Mon but a amené l'équipe de Lille en huitième ou en quart de finale, huitième mmh. de finale contre Liverpool parce ouais, que on sort Fenerbahce sur mon but à Fenerbahce, je rentre à Lille, je suis la star du moment, je fais les gros titres de l'équipe, tu vois. Mais moi, il ne faut pas oublier que j'ai une ascension euh, rapide, ouais. mais je ne sais pas gérer les émotions. Bah ça te gonfle le crâne. Je suis, tu vois, et moi, j'apprends à me connaître. Et, et j'ai mis du temps à savoir que moi, il ne faut pas trop me complimenter. Il bah, ne faut pas trop te gazer. Moi, c'est quand tu, quand tu me sous-estimes, je vais, je vais t'enfoncer. Mais si tu me complimentes trop, je suis fragile, tu vois. Je suis la star du moment, j'enchaîne les matchs, je suis appelé en équipe de France, tu vois. Et là, on va à Liverpool, frérot, à Anfield. Non, on joue d'abord chez nous contre Liverpool ouais. et après, on va là-bas. Écoute-moi bien. Avant que Fernando Torres perde tous ses moyens, tous ses talents, tu, sais, tu connais son histoire. Bien sûr. Il nous a lavé. J'ai pris cher, j'ai été nul. Il était si fort que ça, El Nino Aïe, 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 aïe. Il a pris chez Drew et moi, il nous a lavé ce match-là. <laughs> il, il allait vite, hein. il avait les jambes, lui. Hein. Mais t'es des carrés-croix. Non, mais <laughs> je t'en parle parce que j'ai pris cher ce match-là, parce que j'ai provoqué un penalty, j'ai pris un crochet derrière la jambe. Je me suis fait aspirer comme un. Alors qu'on parlait de moi à Liverpool, et je me suis dit, dans ma tête, je sors du match, je me dis, on a perdu. Je dis, jamais, je dessinerai à Liverpool de Non, tu ouais, voilà. T'es passé dans la machine à laver. Waouh, chaud, patate. Hein. Oh là là. c'est un des attaquants qui t'a le plus marqué lui Fernando il m'a tué ouais il m'a tué là c'est bizarre quand je dis ça parce que les gens peut-être qu'il y a une, une certaine génération <laughs> de jeunes qui connaissent pas le football qui vont se dire ouais mais il a, il... enfin ils savent pas ce qu'il était avant d'être a... avec Fernando Torres j'ai joué avec lui à Milan mentalement il s'est passé un truc qui a fait qu'il oui. c'est plus le même à Chelsea, joueur le transfert à Chelsea méconnaissable mais avant ça il faisait partie des meilleurs attaquants du monde et franchement il m'a tué il m'a démonté <laughs> Magnifique, magnifique. Putain. Euh, justement, euh, rien à voir, mais tu as parlé de l'intérêt de Liverpool, mais il y avait eu d'autres intérêts à l'époque. Je crois qu'il y avait eu l'OM de Deschamps, il y avait eu le de... Zénith. Ça exactement ouais, Zénith le premier. Comment ça s'est passé Genre, comment tu géré sa Pro, t'es pas parti Pro, t'es resté à Lille Les premiers, ça a été à Chico Madrid quand j'ai fait mon premier match à Auxerre dans mes, dans mes débuts, parce qu'ils savaient que j'avais pas de contrat pro, enfin de gros contrat pro. Ouais, c'était facile. Ils à... sont dit, vite, on va, te, on va te récupérer. Le Zénith, après un an ou deux. Liverpool qui était très intéressé, mais pareil pour ces clubs-là, tu vois, il, fa il fallait que j'enchaîne euh, mon niveau en Ligue des Champions, ou en Europa League, chose que j'ai pas su faire, euh, voilà. Euh, Marseille où je devais signer à Marseille, bah ouais, ce qui me tout semble. était fait parce que Marseille en fait devait, il voulait aligner une défense ou à l'époque. Les deux défenseurs qui marchaient le plus à l'époque c'était euh, Diawara qui était beaucoup plus âgé que moi à l'époque. et Il voulait l'aligner avec moi, tu vois. en genre... jeune ouais. Marseille qui peut, enfin Marseille c'est une dinguerie. Dans en mon plus accord, champion en 2010. On parle salaire. Je dis Let's go, mais c'était l'année où, où je devais signer à l'OM, Ligue des Champions. Moi, je voulais à ce moment-là, comme j'avais connu la mairie de Fréjus et tout ça, je voulais monter vite. Je voulais en fait m'éloigner de ce que je faisais avant, la mairie de Fréjus, Fréjus. Machin. Allez, dégage-moi de là. Et moi, le moyen pour moi de, de me sentir loin de tout ça, c'est de monter, tu vois. Et on m'appelle. Euh, donc, je parle avec Deschamps, je parle de mon contrat, tout est ok, c'est fini. Et le président de, le directeur sportif de Lille me dit, écoute, quelques heures avant la fin du mercato. Tu ne partiras pas à Marseille. Oh, t'étais Par déjà parti. On, ouais, ouais, tout, je devais venir à la commanderie tel jour, machin. Et, euh, et il me dit, en gros, voilà, on a deux cadres. Dans le... on a des cadres, et tu fais partie d'un cadre, et tu ne partiras pas en même temps que Michel Bastos. On a choisi le contrat de plus d'argent de la part de l'Olympique de lyonnais, à cause de toi et de ton équipe. Non. Moi, j'avais 15 voilà. ans, mais, <laughs> mais Jean-Michel Olaf, Donc, du coup, coup euh, il ne voulait pas faire partir Bastos et moi, tu vois, en même année. Donc du coup, et là c'est parti en vrille avec les supporters de Lille, avec mes déclarations. En fait, moi je me rendais pas compte de ce que c'était que le monde professionnel. Donc j'ai envoyé du lourd dans tous les sens. Ouais. Tu vois. T avais, t as, par exemple, tu avais déclaré quoi à l'époque J'ai insulté des mères et tout. Il n'y a pas de tout. Je <laughs> et aujourd'hui je regrette parce que Michel Cédou, c'était l'un des de mecs que je porte dans mon cœur aujourd'hui, le président de Lille, et qui me répondait même plus, tu vois. Et un jour il m'a dit, euh, tu verras, la vie est faite de destin, tout a tout est tracé, tu fais-moi confiance. Cette année-là, je suis dégoûté. Bon, ben, je reste. Je fais une belle saison. Je joue contre Valence en Ligue des Champs, en Europa League. Cette équipe-là aussi, nous... on va à Valence, on se fait terminer. Valence, c'était un sacré truc. Oui. Incroyable de Valence, je tu sais qui finissait en général dans les 3-4e de Ligue à Toujours souvent. 3e. C'était pas la Ticomadré à l'époque, c'était Valence. Euh, les Matas, les... il y avait VIA. Il y avait... Franchement, c'était Panéga, une dinguerie. Et, euh... Et donc, du coup, je ne signe, pas... signe pas à Marseille, je reste à Lille. L'année d'après, on fait doubler et je finis à Valence, tu vois. Donc au final, au final voilà, j'ai bien fait de rester, c'était ouais. mon destin, tu vois. Je veux qu'on parle vite fait de 2011 encore et après on parle de Valence parce que ça, ça régale et franchement, je tiens à dire, genre, tu régales là pour l'instant, tu sais <laughs> qu'on parle de trucs avec un et tout, <laughs> les gens dans le chat sont super contents, j'espère que c'est une bonne émission, en tout cas c'est très cool. Euh, 2011 alors, je voulais parler d'un petit truc. Vous avez gardé la structure de l'équipe de 2010 et vous y avez ajouté simplement l'arrivée de Moussasso. Mm -hmm. Comment elle s'est passée son intégration Est-ce qu'il a changé beaucoup de choses À quel point il était fort Parce que c'était également l'année de l'explosion d'Eden Hazard. Et après, c'est ça que... en fait. Euh... L'explosion. En fait, le fait qu'on qu monte tous en même temps d'année en année, il y a des joueurs qui se sont confirmés. On prend de l'expérience. Tu rajoutes à ça l'explosion d'Eden Hazard parce que c'était un truc de fou. Ouais. Eden, vrai. À quel point il était fort Maintenant, il a pris sa retraite là récemment. Donc forcément, ça permet de lui ouais. faire un petit hommage. Je ne peux pas t'expliquer, c'était incroyable. Il, a, il était vraiment choquant, Eden. Trop fort. Franchement, c'était incroyable. Un jour, je m'en rappelle, il était à l'entraînement, il y avait lui et Yanis Salibur, hein, Deux phénomènes, tu vois. Et un jour, je m'en rappelle, Eden, il a des grosses cuisses, il est puissant, tu vois. Il y avait Balmont, très, très harneux, avec d'autres grands, tu vois, à l'époque. Ils lui ont rentré dedans comme jamais, mais ils n'arrivaient pas à le faire tomber. Et c'était eux qui tombaient. Je me rappelle, même moi, je rigolais. Ouais. Mais il fallait pas rigoler devant le monde. puissante et champ de gravité oh, un peu bas. Exactement. Euh, tu bouges pas, quoi. Mais c'était pas quelqu'un qui voulait. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération qui est comme ça. Ils veulent, ils veulent te terminer pour te terminer sans apporter quelque chose de concret à, 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 ton, à ton équipe. Hein, tu vois Lui, c'est il jouait contrôle passe Il ne faisait pas les lacets hein, avec ses vapeurs. contrôle passe machin. Et parfois, quand il, te dit, il décidait d'accélérer, c'était incroyable. Boum, 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 il passait. moi je vais être derrière avec son gros boule. <laughs> What? Tu vois ou pas? Ah ouais. Et en trop deux fort. secondes oh il est devant le but. Trop fort. Mais propre tu vois c'était propre c'était collé au pied bim et euh, t'avais Gervinho alors et Moussa c'était le mec le mec tu vois que tout le monde aimait parce qu'il était très réservé hein. Moussa c'est un mec réservé discret il, il se faisait toujours chambrer parce qu'on savait que c'était fallait enfin les... -à Rio il aimait trop tu vois ouais, mais ouais. ou d'autres à l'entraînement j'aimais trop l'avoir en marquage. Parce qu'il courait pas, il faisait aucun effort à l'entraînement. Ouais. Rien. Moussasso, vraiment, il faisait pas d'effort. <laughs> à l'entraînement il, il savait que j'allais être en face de lui. Pouf, il rigolait, tu vois. Avec un petit coin. En maths, je me dis, mais comment il fait Il marquait tout le temps. Dans la surface de réparation, il contrôlait tout, il gérait tout. Il... Oh Mon dieu. Genre, il te passait devant au moment clé. Euh, tu ouais, ouais, t'as tout compris. Alors, il faisait pas du. C'était pas le bourrin. À coup de... Non, mais par contre, je te jure, trop malin. Trop, 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 trop malin. Moi, c'est ses frappes à Sow qui m'avaient marqué. incroyable. C'est frappe. Mais il était capable de tout, hein de marquer, mais tu vois, de la pointe, il arrivait petit lobe, enroulé, dans toutes les situations. Après, tu avais un milieu de terrain aussi, il était trop fort. Franchement, on avait une équipe. C'est un vrai qu'au final, quand on y pense, elle était, ouais. était carrée. Carré. Ouais. Ça a été quoi pour toi l'apport de Rudy Garcia à l'époque, le coach dans ce titre Je sais pas. Franchement, euh... après, un coach, le plus important, c'est quand il arrive justement à gérer les égos des uns et des autres. Mmh. Et aussi de... Oh putain, enfin, attention. Désolé. Voyou. Oh, ne <laughs> t'inquiète pas, on va les... Euh, de, 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 de... de laisser un petit peu cette cette liberté. Peut-être tu as des coachs, parfois ils arrivent, ils veulent te prendre, ils veulent te, entre parenthèses, l'exemple type du coach que je ne voudrais jamais être, c'est Marcelino. Je n'ai rien contre lui, je précise. Mmh, bien sûr. Il m'a jamais entraîné, mais je ne veux pas un coach quand, quand il te... Tu sais, il te formate. Toi, tu restes à ton poste, toi, tu fais comme ça, toi, tu fais comme si... Toi, je veux que tu fasses.. Non, non. Le football aujourd'hui, c'est de montrer à ton équipe une certaine discipline défensive, normale, de base, tu vois. Mais après, on est tous différents les uns les autres. Et si tu nous fais jouer, c'est parce qu'on a quelque chose qui qui peut apporter à l'équipe. Ouais. Donc, donc laisse, laisse parler les mecs. Et lui, il avait cette, cette faculté à laisser parler, je pense, notre milieu de terrain et les attaquants. Tu vois, nous avec cette joue, quand on faisait des dégagements, enfin des dribbles ou des trucs, oh, il nous tuait. Ce qui était logique, parce que ça, tu pouvais perdre des points avec ça. Mais il laissait une certaine liberté à nos attaquants. Qui... Ah, ils étaient en furie. Bah au bout d'un moment, en fait, quand tu as un tel talent offensif, tu je dois laisser parler. Toujours, tu ouais. vois toujours le, le côté euh, euh, collectif avec de temps en temps certaines consignes qui vont apporter euh, des prises de largeur, des machins, des trucs. Mais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il y a un certain talent, ça reste les... enfin, le football, au footballeur. Tu fait. dois, exactement. Mais après, un talent, c'est bien, mais tu dois avoir une discipline. Tu dois avoir un minimum de discipline. Regarde le Barça, quand j'ai joué contre le Barça, quand j'étais à Valence, les mecs étaient disciplinés. Neymar. Il a et je l'ai vu moi au Barça discipliné comme jamais au Paris Saint-Germain il n'a jamais fait ça c'est vrai bah, bah, avec le rôle un peu plus de leader etc ouais. c'est vrai que c'était un, euh, un peu plus on va dire un peu plus libre euh, justement après le titre de champion de France tu signes à Valence parle-nous justement de ton arrivée là-bas euh, parce que là-bas, tu es titulaire toute la saison et tu découvres le très haut niveau sous unaï Emery avec des joueurs comme Soldado qui était capitaine, Jordi Alba, mmh. euh, les jeunes à l'époque, Canales, mmh. Parejo. Putain, ça a été quoi la plus grosse différence avec la France Et t'en as oublié un important euh, qui a fait partie des, des, grandes, des grandes années qui était avec mmh. nous. Hein. Il avait 40-39 ans, je crois, à l'époque. Canizares euh, Albelda. Albelda Incroyable. C'est lui, capitaine. C'était impressionnant ce mec-là, la discipline, le discours, tout. C'était un truc de fou. J'arrive là-bas. Une équipe de folie. Comment se passe l'arrivée déjà Il faut une offre, il euh, y a un intérêt, non, je dis, y, prends, tu te dis, à... ouais, j'ai tout vu Non, non, pas du tout. Parce que moi, dans ma, dans ma, dans ma saison à Lille, je, je veux progresser, je veux grandir, je vais aller affronter les meilleurs joueurs du monde. À cette époque-là, le meilleur championnat du monde et les meilleurs joueurs sont en Espagne. C'était la Liga. Était, il faut savoir que c'était. Euh, le, la confrontation Messi Ronaldo, elle était incroyable à cette époque-là. C'était à l'apogée, hein. les gars. On parle de 2011-2012. Ouais, hein. les, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est 2012, l'année des 91 buts de Messi. 2011-2012, les 100 points du Real Madrid de Mourinho. Euh... La vie de ma mère, c'est choquant. C'est c'est trop dur. Moi, j'arrive là-bas, je connais aucun joueur. Tout le monde me dit, mais tu te rends pas compte dans l'équipe que tu es Je m'entraîne, il y a encore Mata, il y a... tu vois, ils viennent tous de signer un petit peu à droite à gauche, tu vois. Et, et tout le monde me dit, ouais, mais l'Espagne, c'est pas pour toi. Tu aurais dû aller en Angleterre. Le duel. En fait, je m'aperçois que je progresse très très vite. Mes relances sont nickel. Euh, je joue direct. Dès mon premier match, je marque. Je fais une saison où je suis le joueur le plus utilisé en Europe devant Messi et Ronaldo. Ouais, J'ai vu, tu fait 4600 ou 700 de... minutes. Un truc comme ça, c'est énorme. Un truc de malade. Je suis à 4 buts à la saison, tu vois. Je marque en Ligue des Champions. C'est un truc de fou. Des gros buts de la tête sur corner Mais c'est un truc de. dans tout, même pas. J'ai mis un doublé un jour en deux minutes. Enfin, franchement, c'est une saison pour moi. Voilà, je suis choqué. Ounaï, euh, t'as appris des choses De ouf. M'a appris, mais en même temps, je... En fait, moi, c'est sur le terrain avec les mecs qui m'entourent et la confiance qui me portait. Et puis moi, je suis un affectif. Si le coach il m'aime pas ou si je sens qu'il est mauvais, je vais être, c'est fini pour moi. Je suis vraiment un affectif. L'oseille c'est un truc, mais moi je veux me sentir aimé, tu vois. Euh, et là, euh, derrière, je fais donc le nombre de minutes que tu, tu dis. J'enchaîne avec l'euro, mais je suis carbo. Mais je m'en rends pas compte. Je veux tout rafler. On perd en quart de finale, je me fais tabasser par les Français. Je me fais assassiner. Mes premières grosses critiques, tu vois. Euh, derrière, j'ai un intérêt pour le Real, par le Real de Madrid, mmh. qui est intéressé, euh, et qui voit avec Valence, et qui dit, voilà, Valence leur dit, en gros, euh, écoute, euh, en gros, hein, d'après ce qu'on me dit, encore une saison comme ça, et on vous le laisse. Okay. Faut il faut qu'il confirme la saison, tu vois. Bon, il ne peut pas faire juste une saison chez nous et partir. Exactement. Et, euh, dans, chez moi, je te le jure, j'habitais à Tolène Conil, à, à Valence, ils viennent chez moi, le président vient chez moi, tout le monde vient chez moi, le directeur sportif vient chez moi. Tu prolonges. J'avais signé 4 ans. J'avais fait qu'un an. Il dit non. Ici, si, il faut que tu prolonges, c'est important. Non. Alors en fait, moi, je n'étais pas au courant à cette époque qu'ils étaient déjà en contact avec le Real Madrid. Ok, donc ils te demandent de prolonger avant de te dire qu'il y a le Real Madrid. Sauf que moi, j'étais un bâtard. petit peu entouré d'agents qui me disaient, non, tu ne vas pas signer parce que tu ne vas pas prolonger, parce que... Ouais, mais moi, je voulais plus d'argent. Ouais, mais si tu as plus d'argent, ta clause sera plus grande. C'est vrai. Et, Et donc, du coup, les clubs de départ, c'est plus difficile, ouais. Je suis perdu, mais je dis non à un président que j'aime de ouf. Mais j'ai peur, j'ai plus confiance, en fait. Quand tu as de l'argent, a... je dis non, je dis non, je dis non. Mais là, à ce moment-là, je me blesse au genou. Tu vois, donc je me mets deux mois out. Et quand je reviens, le fait d'avoir beaucoup d'intérêt pour les clubs et tout ça, pour moi, je me, je me laisse aller. Je fais une saison, je joue de titulaire avec Valence, mais je suis très moyen. Ok. Vraiment, un... après une grosse saison. Moi, je n'ai jamais fait de grosse saison dans ma carrière. Ouais. J'ai fait ça. C'est un truc de ouf. Et euh... Un peu de mal sur la régularité. Très les... dur. La répétition des bah, performances. En fait, moi, je pense que j'aurais pu faire une grosse carrière si j'avais... Si je comprenais réellement ce que c'était que le métier de footballeur et si je m'étais entouré de nutritionnistes, si j'avais investi sur ça, si j'ai un conseil à donner aux jeunes footballeurs, il faut investir sur le côté nutrition parce que je mangeais, tu vois, quand mmh. les jeunes ne te rendent pas compte. Et aussi sur un coach mental. Je ne savais pas du tout gérer les émotions. C'était okay. le freestyle. C'était. Ouais, les hauts, les bas. Les colères, ah, les, la tristesse, quand même, la joie. Ça n'allait pas gérer, dans tous les sens. Mais ça, tu vois, ça aurait pu vraiment m'aider, tu vois. Mais j'avais, malgré tout ça, j'ai quand même fait 17 ans de carrière professionnelle. Oui! Mais j'aurais pu tenir beaucoup plus en Ligue des Champions, beaucoup plus longtemps. tu vois. Euh, et donc, du coup, derrière, euh, derrière je suis à Valence, il y a beaucoup de changements. Je suis avec un changement de président, changement de coach. Je suis avec des coachs qui parlent, des jeunes coachs. Moi, avec les jeunes coachs, généralement, ça ne va pas. Euh, j'ai du répondant et j'ai aucun filtre. Ça pète, je me fais écarter. Enfin, puis jusqu'au jour où m'appelle et il me dit... Hey, on va en parler de ça justement. Moi, je veux juste un petit peu focus sur la première ça année là, ouais. à Valence quand même. Parce carton, que carton, plein. Les amis, la première année à Valence, vous finissez troisième de Liga, donc classique comme on disait. Valence ouais. en troisième de Liga, euh, vous allez en demi-finale d'Europa League, vous perdez contre l'Atlético de Falcao. Putain. À l'époque, qui perd, en plus ouais, la remporte, ouais, il me semble. Exactement, au bravo. Ouais. Euh, comment euh, Quelle a été genre vu que tu arrives de Liga Ça a été quoi la non, Le différentiel Mais... entre les deux. Et au final, cette année-là, t'as eu la chance de pouvoir jouer contre le Real Madrid de ben... Mourinho à 100 points, contre le Barça de l'époque. dinguerie. Oh, mais si, c'est RC tout ça. Parle-nous mais... un peu de cette et première mais... année, troisième où tout va bien. C est... C est... Ouais, Alors attends, on perd en demi-finale. Ouais. Attends. C'est bizarre parce que cette année-là, ce qui est très bizarre en Espagne, c'est que la Coupe du Roi, les gars, la Coupe du Roi, c'est aller-retour. Oui. Bah, c'est aller-retour les matchs. Donc dis-toi. Que le mercredi, on joue le Barça. Ou, non, le Real, pardon, première année. On joue le Real Coupe du Roi, on prend le Real. Le dimanche, en match de championnat, on joue le Real. Okay, match retour. Ça, ça, ça commence bien. Hein Et le match retour, donc trois jours après, tu rejoues le Real. On faisait Real, Real, Real. C'était un truc de malade. <laughs> Comment tu peux être le plus heureux du monde J'arrive dans dans, à Bernabeu, sur la vie de ma mère, je suis dans le couloir. Il faut savoir que Bernabeu, il y a un truc qui te par les joueurs. Ouais. Tu as une grille. Les gars, je vous jure hein, c'est chose ce que je vais vous dire parce que je me laisse je, me, je laisse les gens m'attaquer je laisse faire je vois j'ai beaucoup d'autodérision tu vois mais ce que j'ai vécu c'est j'ai joué dans ma carrière avec le joueur contre qui j'ai le plus joué de ma carrière c'est Messi 14 fois gris. Ronaldo 10 fois je crois une dizaine de fois je me retourne je vois les Gris je vois Ronaldo on se regarde il me regarde il me dit je suis fan de lui mais je vais jouer contre toi tu vois en fait inexplicable pour mon parcours en tout cas moi c'est choquant tu vois c'est je suis fan et en même temps je vais jouer contre toi et en même temps je joue dans la même cour sur le terrain carré vert tu vois alors bien évidemment en termes de niveau le ballon d'or on parle pas de ça mais on est en Liga et je... en tout cas ce que j'ai appris avec la différence qui a entre Lille et Valence à ce moment-là où la France et l'Espagne le... et, et Valence c'est qu'on a culture de la gagne ouais. je, je me réveillais quand je dormais la veille et je me disais waouh ouais, on va prendre une gifle et non ton gars et non mon gars t'es à Valence là t'es dans le troisième club espagnol quand t'es à Mestalla ils viennent pas faire la loi chez toi les mecs non. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que moi, j'avais ce côté-là. Moi, j'avais ce côté-là. Je me dis, waouh! La vie de ma mère, on joue le Barça. Premier match contre Messi. On fait 2-2. Enfin, comme ça, c'est clair. Et dans ma tête, je me disais, on perd 2 euros, c'est bien, les gars. Tu as dans ma tête. En plus, la Liga, à l'époque, t'avais des déplacements ah, compliqués avec des gros clubs qui respectaient ouais, ça. Genre ouais. Mestalia à tu vois. Mais, euh, mais des trucs comme ça, ça c'était toujours des stades respectés. Exactement. Même par les gros. Ils savaient que Mestalia, c'était pas cadeau. Tu vois. Mais les gars, on joue contre, on joue contre Ronaldo à Bernabeu. Je joue contre Messi la première fois, que je joue Messi, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est deux, deux profils totalement différents. Il ouais, y avait le Barça, c'était plutôt facile, mais en même temps, pour moi, pour, je répète, j'aime Ronaldo, je ne vais pas vous mentir, mmh. j'aime les deux. M mais tu ne peux pas comparer Messi et Ronaldo, la tête de ma mère, c'est chaud. Contre ouais. le Barça, on était en bloc comme une armée, ouais. juste pour lui. Ouais. Et on coulissait tous ensemble. <laughs> et on bougeait, Tout autour de Messi. Mais il venait du Chiquitaca. Et je regardais Bousquette. Je regardais Iniesta, Xavi. il faisait tourner. Et je me fatiguais pas. Et on attendait. Tu vois ou pas Et ta pupille gonflée au moment où Messi toucher le ballon. Tu <laughs> dis « Wow, Starfall là <laughs> !» Il a commencé. Il a accéléré. Tu vois ou pas Tu gagnais à zéro. À l'époque où il avait ce coup de rein. Oh La tête de ma mère. Je vous le jure qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et là, il commençait à rentrer il chevaucher. Et tu vois, les mecs tous ensemble ont paniqué. Tu voulais toujours, tu voulais toujours être le mec qui récupérait le ballon de... qui voulait, qui voulait faire souffrir, mais c'est pas ouais, ouais. ah, possible. Fais ce que tu veux, mais c'est pas un mec, c'est pas un footballeur, c'est pas, pas possible. Et à chaque fois, il faisait cette putain de passe où tu pensais l'avoir, entre les lignes, parce que nous on serrait bien les lignes, hein. pour Pedro qui venait finir derrière, tu vois. Et je me disais, waouh. Et, et à l'inverse, je préférais jouer le Real, mais on en a pris cinq, hein, contre le Real un jour. Jouer le Real, le Real c'était contre-attaque. C'était... Caldiaz. Ben oui. Sur aux îles ça allait à 250 km/h. Il dit Maria, les voilà. banques et tout machin, ça allait super vite. Écoute-moi bien, je me rappellerai de ma vie. Corner, quasi à -les, les Jeux Olympiques, le 100 mètres, Nick sa mère, <laughs> court. Et je mettais mon ton en l'air. Je commençais à lever mes genoux et je courais. Il y a, a c'était parents, c'était beaucoup plus puissant, beaucoup ouais. plus, tu vois. Mais je préférais prendre Ronaldo au Marquette parce que je, un jour, je te montrerai des images. J'ai mis des vrais tampons parce qu'il faut savoir que Ronaldo, c'est un, un joueur qui n'aime pas le contact. Il est costaud. Mais moi, il n'y a pas de. Tu sais que je vais regretter tous les maillots, deux joueurs. Hein. Je, les, je les ai saignés au maillot. Mais dès que je voyais qu'il regardait le ballon en profondeur, je, prenais, je partais franchement deux trois secondes avant. Ouais, logique. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, même, CR7, voilà. avait encore sa pointe de vitesse agronné. et tout. Mais c'était avant ses problèmes au genou, il était. Ah, j'allais vite. Hein. J'allais très vite. Hein. Parce que les gens, ils ont là une image, mais j'allais très, très vite. Et il fallait que au moment où il se retourne, il fallait qu'il sorte de mon corps. Il fallait que je lui fasse mal. Et j'ai eu un match, je l'ai saigné, je l'ai ouvert, je crois. Mais par contre, attention, un jour il a sauté dans la surface de réparation. Et il faut savoir que. Toi moi, qui m'envoie de le colle, la Je le touchais. Hein, tu vois, je me suis dit, mais il est dur ce bâtard. Tu vois, donc je mettais. Et en fait, un jour il a décollé. Et quand il y a un mec qui va très haut et qui prend l'impulsion avant toi, eh ben, automatiquement, tu verras dans les matchs de Ligue 1, c'est d'y arriver. Eh ben, automatiquement, je sais pas pourquoi, tu t'abaisses, toi. Si y a un mec qui saute très haut, eh ben, toi tu vas t'abaisser. Et je te jure, il a sauté, j'ai fait ça. il te regardé, je lui ai dit fils 6 mètres 50. Mais franchement, c'était le meilleur moment de ma carrière. De jouer contre ces mecs-là, c'était incroyable. Ça incroyable. se voit. Ça se voit comment t'en parles, oh, cet mais Mestalia, je me rappelle un jour, euh, à l'échauffement, on rentre à l'échauffement comme ça. Je vois, et t'as tout le stade qui se lève et qui dit mais si, mais c'était folie. C'était cool la vie à Valence, euh, à les supporters, Mestalia, tout euh, ça, c'était clean C'était chaud. Très, très chaud. Euh. Un jour, je me rappelle à Mestaria, on joue contre l'AS Roma et j'étais choqué parce que j'entends les premiers bruits de singe de ma vie. Je me dis, waouh, c'est quoi ce truc de ouf Ça existe vraiment Je pensais que c'était mmh. un film, tu vois, mais non, ça existe encore. Enfin bref, je te raconte ma vie en deux-deux, mais voilà, après la vie là-bas, c'était trop bizarre. Tu manges à 15h, tu vas au restaurant à 13h, c'est fermé. Ouais. Tu manges à 22h. Ça vie la euh, nuit. Euh... Le matin, tu vas. Enfin, ouais, c'est. Même pour les entraînements, c'était un peu comme ça Ah oui, tu t'entraînes bah, plus bah, tard. Euh... Bah, tu t'entraînes à 19h, euh, t'es obligé de t'entraîner le soir, tu vois. Oh là-là. 18h. Trop chaud sinon tu meurs. Ouais, je vois. Ah, une dinguerie. L'Espagne, c'est une dinguerie. Ça se voit. Ta troisième à saison, euh, saison à Valence, c'est celle qui, comme on a dit, part un peu en couille ça devient un peu un cauchemar. T'es laissé de côté par l'entraîneur à cause d'une brouille et mmh. ça t'envoie à Milan. C'est quoi l'histoire de cette brouille En fait, euh, je devais partir. Je devais signer en Angleterre à l'époque. Euh, ça s'est pas fait. Quel club Je sais plus. Euh, <laughs> franchement, je crois qu'à l'époque. Ouais, franchement, je sais plus où je devais signer. Alors attends, j'étais à... à Valence. Je voulais partir. Je voulais, Alors, attends, je voulais partir. Euh, en Angleterre, il y avait, des, il y avait plusieurs clubs, mmh. mais je voulais plus rester, tu vois. Et je me suis dit, tiens, on va voir. Euh, Entre-temps, je ne fais pas la réparation avec eux. Et quand je reviens, donc je commence à, à être en jambes et je joue, tu vois. Il y avait un coach qui a commencé à faire une déclaration. Donc Jérémy Mathieu qui avait fait une déclaration parce qu'il n'allait il pas jouer au titulaire. Ouais. Et il avait dit en conférence de presse je suis dégoûté parce qu'il y a des mecs qui ne qui voulaient pas jouer pour ce club et qui vont jouer au titulaire. Il s'était loupé entre parenthèses. Quelques heures après, il est venu, il a demandé pardon, tu vois. Alors qu'il me visait moi directement, mais c'est pas grave. Donc, ça, ça m'avait énervé que le club ne réagisse pas en me ouais. protégeant. Il n'y rien dit. Et derrière, on est à, à Grenada. À Grenada. Tiens, je vais te raconter une histoire que personne ne sait, tu vois. Vas-y. On est à Grenada. Grenada. On a mis mise au vert. Je. Je vois qu'avant d'aller au repas de la mise au vert, on arrive à l'hôtel. Je vois plein d'articles sur moi où le coach qui parle de moi, Djukic, il parle de moi et il parle mal en conférence de presse, tu vois, et il dit en gros, euh, je fais jouer Rami parce que j'ai pas le choix, euh, enfin, parce que les gens lui ont dit, il devait partir, vous le faites jouer, enfin bref, pourquoi ouais, ouais, ouais. entend dire trucs pas ils, ont, quoi, ouais. ils se sont servis de, 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 de la déclaration de Jeremiah, tu vois, pour lui poser des questions, pour le piéger, tu vois. Il y a un jeune entraîneur premier club, hein, ce gars, ce que, qui, tu veux quitte. Ça m'a tellement énervé. Je lui ai dit, ah ouais, j'ai envoyé un message à un gars qui travaille à la radio euh, espagnole. Et si tu veux, moi, je peux te répondre. Ça se fait pas normalement ce que, je vais, ce que je vais faire, tu vois. Non, il faut passer par le club, il y a un protocole à respecter et tout. Je parle et je dis en fait, le coach il parle, il parle, il parle, mais il n'a pas de couilles. Et là, je le descends. Je le termine, tu vois. Je, je raccroche avec le gars, ça sort. Une heure après, je suis dans ma chambre en mise au vert. Téléphone du, de la chambre qui sonne, je réponds Ouais, réunion en bas, toute l'équipe. Je me dis Je sens, j'ai l'instinct. Oui, c'est ça. Hein, y a pas Je suis assis comme ça, tout le monde s'assoit. Toute mon équipe derrière. Je suis devant, enfin, ouais. la ligne de devant comme ça. Et le coach, il parle, il dit Bon, les gars, j'aimerais vous dire un truc. Euh, Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Adil a décidé de parler. Euh, et moi, le plus important. Donc, il, il commence son, son discours de merde formaté ouais. du coach qui protège son équipe et qui il va avec son équipe. Je le vois venir, son truc de merde. Je dis rien. Et euh, donc, voilà, c'est un manque de respect pour l'équipe. Donc, déjà, il va mettre l'équipe à dos. Euh, et il a dit ça, il a dit Si, patati, patata. Et après, il me regarde, il dit Voilà, c'est Adil qui a fait ça. Est-ce que tu as un truc à dire est-ce que tu veux demander pardon à, à, tout ton, à toute l'équipe Je lui dis, alors moi, d'une part, la première chose, je n'ai pas à dire pardon à l'équipe parce que je te visais, toi, on mm. t'a parlé, je trouve ça déplacé, et j'ai répondu et je t'ai visé. Donc ne mets pas les mecs là, ici. ils savent que j'ai rien dit, donc je ne pas. Enfin, tu vois, il, essa essa il essayait de les mettre de avec manipuler le un petit peu, les pour tu euh, vois. Ouais, ouais. C'est un peu un mode de la manipulation. Donc. Il me dit, ah ouais Il me dit, t'es sûr je dis, ouais. Il me dit, tu vas prendre tes affaires et tu dégages. Un verre. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit, ok. T'as rien à dire. Non, je lui dis, je lui dis, si j'avais, si j'avais des, des joueurs, euh, des défenseurs centraux comme toi à mon époque, enfin là maintenant, toute ma vie, je serais en équipe de France, j'aurais pas de problème de concurrence. Tellement t'étais pété. Toi, sais pas pourquoi j'ai sorti ça, tu vois, parce que c'est un défenseur central le mec. <laughs> et je lui ai dit. Euh, en fait, je savais pas quoi dire pour le descendre. Il fallait que je le Et après, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, on verra où tu seras toi dans, dans à l'avenir, et on verra où je serai moi. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait il Me dit, ouais, 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 tu vois, il m'a pris de haut. Je rentre dans la chambre, je prends mon sac, sac à dos. Je te jure, je te mens pas, la vie de ma mère. Que... Normalement, ils ont pas le droit de faire ça. Mm -hmm. hein. Je quitte ma chambre d'hôtel. Il est 22h. J'appelle ma sœur. Je dis, s'il te plaît, prends-moi une chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé, machin Je veux pas parler. Je te mens pas. Je vais directement dans un hôtel à Grenade, Granada. Je vais au bar et je demande un mousquée. <laughs> Mais ben, de mousquée, j'en prends ah. deux, trois, quatre. Et euh, ça fait ta déprime dans ton euh, coin. Tranquille. Master, un petit quest qui. Tout le monde est affolé et tout ça, tu vois. Mes cartes du groupe. Le lendemain, je... et ils ont match. Le lendemain matin, à 6h du matin, je prends mon train parce que je me dis, je ne vais voir personne. J'arrive à Valence, à la gare. Je te le jure qu'il y a tout le monde, tous les médias, tous les plus grands médias espagnols qui m'attendent. Casquette, j'arrive, je suis éclaté, fatigué. Je sors, ils arrivent, ils me filment comme un. Je te jure vraiment. Une vingtaine de médias. Ouais, t'arrêtes un crouze. Je prends un taxi, j'essaie de, de m'esquiver comme je peux. En fait, ils m'ont écarté du groupe. Avocat, machin. Je peux plus m'entraîner. Et là, il y a un agent qui m'appelle, il me dit Ouais, il faut que je te vois. J'arrive. Et il me dit euh, Écoute, je viens de la part de, de Galiani. Ouais. Mille heures Ouais, exactement. Je me dis Quoi Il me dit Ouais, il faut que je te parle. Je me dis Attends, je comprends pas. Il me dit Ouais, ouais. Il me dit C'est Galiani qui m'a envoyé. Il euh, y a des problèmes avec toi Je dis Ouais. Je me dis, écoute, ce qu'on va faire. On est à la fin du. On va gérer l'histoire avec toi. On va te mettre un avocat, patin, couffin. Et tu vas venir chez nous. Je suis choqué. Je me dis, il m'a une couille à Valence. Et je vais. Ils dans... veulent m'écarter. Ils veulent me faire du mal. Et c'est là je me dis karma. Parce que je ne méritais pas tout ça, tu vois. Et je vais signer dans mon club de cœur, mon club de rêve. Celui que je... tu rêvais quand tu étais plus jeune. C'est un truc de ouf. Du coup, on négocie. Sauf que le problème. Je, je vais signer mon contrat. Le club de Valence veut plus me laisser partir. Mais mis à la porte, hein. mais ils veulent pas. Ah ben nous on veut 4 millions de Non, ils veulent 8 millions d'euros. Mais non, tu m'as mis à la cave. Ah ben tu sais quoi, je vais rester. Vas-y, je vais rester avec vous, je vais pas jouer. Tu veux m'écarter du groupe Soit tu m'écartes, soit, soit tu me licencies. Mmh. Tu vois Et j'aurai mon salaire et ça va vous coûter pour tu rien. Menais, machin, en hein. plus, Valence, ça a jamais été euh, que, la situation économique très positive. Euh... C'était un président un peu comme héros. Il connaissait rien le mec. Donc il a voulu un peu mettre des coups de pression, pas des coups de pression. Il me dit ok. Gagnani dit je récupère Rami, je le mets de côté moi. Enfin, il va s'entraîner avec nous, mais il ne pourra pas jouer pendant quatre mois. Ok, donc en fait, Valence, ils ont vraiment voulu me faire du mal. J'étais pendant quatre mois avec Valence. J'ai commencé à jouer à partir de janvier avec eux, après le mercato. Mais j'étais en prêt. Pour Milan, tu veux dire. J'étais en prêt, ouais, pour Milan, mais j'étais en prêt. Ouais. J'ai fait cinq mois de folie avec le Milan AC. Dû, je crois que j'ai fait trois buts de passe-dé. Je fais une dinguerie. Je joue presque tous les matchs. Ouais, à partir ça se passe moins. bien et tout. Et, euh, et là, je retourne à Valence. Mais moi, je veux plus jouer avec Valence. C'est fini. C'est fini pour moi. Galliani me dit à la fin du de Mon dernier match avec Valence en prêt, avec Milan, il me dit écoute, il y a lui et moi. Et Bronzetti, ben, qui est mort, paix à son âme, l'agent ben, à l'époque, il me dit et, <laughs> Galliani, il vient, il me tend sa main comme ça, il me dit donne-moi ta main. Il me sert la main, il me, il me sert, il me, dit, il me dit je vais aller gérer ton histoire avec Valence, mais tu me promets que tu signes avec nous. Je dis oui, promis. Et tu signes définitivement avec nous quatre ans. Toi, la vie à Milan et tout, même le groupe Il me dit mais c'est quoi ce truc de fou Qu'est-ce qui m'arrive, tu vois T'étais avec MXS. J'étais avec MXS. Oh, ça, c'était de la charnière de tamponner bah, C'était trop marrant, je te jure. Alors, je lui sers la main et je dis Ok, vas-y, je promis. Et lui, il gère tout, ma sortie avec machin. À l'époque, je touchais, par exemple, je suis une connerie, hein, je suis une connerie, pour dire en chiffres, mm -hmm. je, touchais, je touchais 1000 balles, on va dire. À l'année, 1000 balles avec, euh, 1000 balles avec euh, Valence. Sauf que là, avec tous ces embrouilles, machin, tout, je prends 2500. Mm. Ça veut dire que mon salaire, il est multiplié par fois 2 là-bas, à Milan, c'est. Et le président, il a appris ça. Il a dit, je te laisse signer à ce prix-là, mais nous, on veut, euh, on veut tant. En gros, on veut 1,5 million euh, pour que tu puisses aller là-bas. J'ai jamais de la vie. En fait, en gros, il voulait prendre 1,5 million de mon salaire. Ouais, voilà. J'ai dit, mais t'es un ouf. Jamais de la vie. Et du coup, le problème était sur ça pendant longtemps. Et Galiani a, a tout géré pour moi pour que je puisse aller librement, euh, tu vois. Ouais, bon, okay. Il a payé 4,5 millions. Ouais. Franchement. Mais c'était une dinguerie, l'histoire. C'est marrant que Valence voulu te reprendre encore oh. un peu d'argent à la fin comme ah, ça. C'était déjà Peter Lim non, pas du tout. C'était un autre Amadeo, il s'appelait. Ok, parce que Peter Lim, après, lui aussi, il a bien. Euh, C'est un monde, un monde franchement. C'est quoi les différences notables entre la Serie A et la Liga Et c'était comment ton rapport au supporter un peu italien sur ton passage à Milan au global Parce que c'était un, un peu mitigé pour l'équipe. De quoi À Milan Ouais. C'est quoi qui était mitigé bah, À un moment, vous faites dixième de Serie A. Ouais, non, c'était. Ouais, on n'a pas fini. On a fini 7 je crois, moi, quand je suis arrivé la première année. Hum. C'était pas ouf. Euh, j'étais en crise avec Allegri à l'époque. Moi, je suis arrivé quand j'étais avec Allegri, mais je jouais pas. Parce que j'avais ce conflit justement où j'avais interdiction de jouer, il fallait attendre les Mercato. Sidorf arrive, je joue. Euh, ça se passe plutôt bien, on fait une petite remontée. Euh, on a frôlé l'Europa League, la qualification d'Europa League. Euh, mais c'était une saison, euh, c'était une période où la Sémilan était en pleine transition. Bah trop ouais. compliqué, trop bizarre. Beaucoup de joueurs de près. Moi je suis content parce qu'ils m'ont acheté, tu vois. donc vraiment ils me voulaient. Tu vois. On avait des joueurs, des phénomènes, mais en fin de carrière qui n'étaient pas très. Bon, caca, phénomène, mais ils n'étaient pas le caca d'avant, tu vois. Robinho. Franchement, c'est le joueur qui m'a le plus choqué en one-on-one, -on -one, même en étant un peu gras où j'y étais, à l'époque où j'y étais. Balotelli, phénomène. Tu avais, des... avais des très, très bons joueurs, tu vois. Là, mais tu sais pas une équipe... Robinho, Balotelli, c'est les problèmes. <laughs> tu as, as tout compris. Il, il fallait une équipe, tu vois. Et on avait des joueurs, mais on n'avait pas une équipe. Derrière, ils te prennent Pipo Inzaghi comme entraîneur. Catastrophique. Et là, je me suis dit, je suis dans mon club de cœur. Pas de problème. Pour ma progression... Pour gagner des titres, il faut que je quitte le Miller AC, parce que c'était pas le Miller AC qui allait te faire gagner des titres. Non, non je... là, c'était le Miller AC poste de leur dernier titre de 2013, je crois, en 2012. Ça, à... ça a été les 3-4 années de transition, là, un peu qu'ils qu ont ouais, vécu. Ouais, exactement. C'était déjà l'époque Bonaventura et tout. Exactement, euh, ouais. bravo. Ouais. Il y avait Montolivo, il, avait... il y avait des bons joueurs, hein, parce qu'il mmh. y avait même Donnarumma qui était avec nous, qui, qui avait 15 ans. Je sais pas si mmh. c'est chaud, quand même, 15-16 ans. Euh... Donc, du coup, je... C'était un à Balotelli, un peu était... Ah, Il était trop marrant, ouais. Mais pas un... C'était un phénomène. Footballistiquement parlant, mon Dieu. C'était le seul mec, quand il commande, quand, en couffrant, quand il tirait, fallait, Je ne voulais pas me mettre au mur. Ah, C'était chaud. <laughs> la bastos contre l'Allemagne à l'Euro, ah, là, là, ça, ça rappelle. C était, c était, il a aimé la même avec nous, hein, avec le Milan AC. J'étais juste derrière lui. Euh, on disait quoi, juste avant Le Milan AC, oh, ouais. On parlait un peu du Milan, ce tu sais, qui n'était pas ouf. Parce que de toute façon, là, forcément, on a envie de parler du retour à Séville. Et, euh, voilà, exactement. Et là, j'ai un appel. Je suis à Dubaï. Et ah. il me dit, euh, Allô, Rami." C'était Alestas, c'était Ounayemri, que j'avais eu à Valence. Il me dit écoute, Adil, ça te dirait de, de me rejoindre. Je lui dis où Il me dit j'ai pas de club. <laughs> tu te rejoins où? Il me dit là, je suis à Séville, on va gagner deux, deux Europa League, je vais partir dans normalement à Arsenal. Donc, soit Arsenal, soit ailleurs, mais est-ce que tu me suis Est-ce que je peux te prendre avec moi Parce que lui, il aimait bien prendre ses joueurs quand il allait dans les clubs. Je lui dis, go, je te suis. Il me dit je sais que tu pas heureux, AC. avec moi, je te le promets. Ça, c'était bien passé la première année à Valence de malade il m'a dit je sais qu'avec moi tu vas retrouver l'équipe de France tu vas, tu vas je dis ok il me donne une semaine enfin on prend une semaine deux semaines je suis en vacances et là il me rappelle il me dit bon écoute j'ai signé mon contrat avec Séville je viens avec moi à Séville je dis ok je viens avec toi à Séville direct j'appelle Galiani on, on signe un contrat je crois que je pars pour 6 millions ouais. j'arrive à Séville je suis avec lui et là l'année pareil tu redécouvres, fantastique tu redécouvre le football ouais, 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 là, là je kiffe l'Espagne je revois mon, mon petit Messi mon petit Ronaldo <laughs> je fais une saison de bâtard c'est ce que j'ai noté j'ai noté il te ramène assez vite. il te remet en tant qu'homme de base de son système ouais. avec à nouveau une saison pleine 4000 minutes encore ouais. euh, tu retrouves un groupe avec des joueurs de qualité alors à l'époque Krikoviak avant qu'il arrive au PSG ouais, Banega Vitolo, Gamero, ouais. un groupe qui remporte l'Europa League en finale contre Liverpool. t'es nommé dans l'équipe type de la compétition d'Europa League cette année-là. Pas mal. Excusez du peu quand même. <laughs> euh, bon, Raconte-nous un peu justement le parcours cette année-là, ah, l'impact Emery sur ta carrière, euh, ah, c la, défaite en, la défaite en finale de Copa del Rey contre le Barça. C'était une bah, année de fou ça, la bah, Séville. Bah, bah en fait, j'étais à Valence, c'était plutôt bien. Après, il y a eu des problèmes bon, bah, avec le président. Après, j'arrive en, en, en Italie où c'était beaucoup de. C'était bizarre pour moi la transition de ma carrière où je pouvais pas jouer, je pas le droit. Mercato, je joue, j'enchaîne les, les bons résultats. Je tombe sur un Pippo Inzaghi qui, lui, s'en bat les couilles complet de faire jouer les meilleurs. Ouais. J'ai appris que dans le football, c'était souvent comme ça. Alors que pour moi, c'était le meilleur qui jouait. Je débarque à, à Séville et enfin, je retrouve le vrai football, les meilleurs qui jouent. Parce que même avec une Ayewrim, quand j'étais pas bon de match, j'étais prêt à me dire "Écoute, t'es pas bien en ce moment, tu sors un peu. Tu fais tourner, tu reviens peut-être." Voilà, exactement. C'était comme ça avec lui. Et moi, ça, c'était, tu vois, c'était un truc de fou. Je, je joue, j'enchaîne des grosses performances. J'ai dit des gens qui m'appellent en fin de saison. On joue... Dis-toi que... Dis que quand, ah oui, j'arrive. Je quitte le Milan AC. Je signe à Séville. Donc là, on parle de la saison avant l'Euro 2016. Hein. Avant l'Euro 2016. Pour ceux qui nous écoutent. Exactement. J'arrive. Ah ouais, les gars. Saison de malade. Bah oui. Parce que pourquoi Plus que Valence. Je quitte le Milan AC. Pareil avec des problèmes avec Inzaghi. Parce que je ne veux pas qu'il m'entraîne. Je qu ne suis, suis pas bien. Je Il m'aime pas, je l'aime pas. On s'aime pas. <laughs> je ne me bats pas pour un mec qui m'aime pas. Du coup... J'arrive à Séville, je me à toujours. Je quitte Fréjus en voiture. Okay. Pourquoi Je connais le, la média espagnole. Je savais qu'ils allaient m'attendre à l'aéroport. Je ne voulais pas cette gentillesse, je voulais pas de cette. Euh, cette ouais, 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 je ce... Je pars avec mon casier. Je te dis parce que c'est un 4x4 qui fait beaucoup de route. De Fréjus jusqu'à Séville. Ça fait de la route. Je ne voulais pas qu'on sache à quelle heure et quand. Tu vois ou pas Je voulais être tranquille. Laisse-moi marcher à l'ombre, tranquillement. J'arrive à, à l'hôtel Mélia là-bas. Mm. Il est très tard dans la nuit. Le lendemain matin, j'ai mes tests cardio. J'ai un cardio de bâtard, encore une fois, je le répète. 19, 20, 20 mA, c'est pas donné à tout le monde. Je fais le test d'ISO sur la machine. C'est une machine où tu es attaché. Oui. Ouais, je vois. Et tu pousses. Je me pète la cuisse. Ah ouais, la fatigue, la roue, enfin bref. Yonaïmeri, il est super énervé. Je, je me soigne comme je peux au plus vite. Il faut savoir que là, dès que les matchs commencent, Salmonellose. Non, mes frères. Je suis à l'hôpital avec Nzonzi. Ricoviak, tous les trois à l'hôpital. Les trois Tous les trois, parce qu'on était à la même poule partie, on a mangé la même tortilla, nique sa mère. La tortilla a pris le soleil, bah, les œufs. Oh, oh. Et là, je suis chez moi, j'arrête pas, je vous fais pas un dessin. Non, c'est pas du poulet, c'est des œufs. Oh. Et je vous fais pas un dessin, les gars, mais là, je me vide pendant trois jours. <laughs> pendant trois jours. Ah, c'est est... sorti par tous les orifices, frère. Frérot, écoute-moi bien, la dinguerie, pendant trois jours, Qu'est-ce qui se passe? La, la, la mère de mes enfants, avec qui j'étais, ouais. euh, mon ex-copine, qui appelle tout le monde, et qui, 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 qui s'alarme. Elle dit il ne se connecte pas à la PlayStation, c'est pas normal, il mange rien, il ne boit rien, arrêtez avec votre Powerade, ça ne marche pas, tu vois. Et elle, elle appelle l'ambulance, direct. Parce que je ne pouvais même plus me marcher. J'ai perdu 7 kilos. En 3-4 jours, jours. c'est un truc de dingue. Je me suis vidé, tu vois. En bah, oh, voilà la tortilla. Hein, et, et là je me rappelle. Et, là, et, là, et là, là je me lève, tu vois. Limite on me portait tout, tu vois. Limite chaise roulante. J'arrive à l'hôpital. Je vois tout le monde commence à paniquer. Prise de sang. Salmonellose. C'est un vrai truc, hein, un vrai virus. Enzonsi, maigre, il se du nez. Son <laughs> père il vient, il pleure à l'hôpital en le voyant. Krikoviev pareil. Et là, vous connaissez pas vous le, le football espagnol, les médias espagnols, les non. clubs espagnols. On les voit les AS, les Marca, les trucs, mais un peu à distance. Fallait rien dire. Hey, fallait, fallait rien dire. Fallait rien dire de ce qui s'était passé. Je me rappelle, il hein, y a ma copine à côté, dans à l'hôpital. Je suis allongé, je suis tout maigre. Perfusion. Ils viennent me casser les couilles parce que en perfusion, ça tombe goutte par goutte pour l'hydratation. Je mets le truc à fond, à fond parce qu'en fait, quand ça rentre et que tu le mets à fond, je sentais l'air euh, du frais dans mon bras. Ça me faisait du bien, tu vois. Hé, hey, arrêtez, Monsieur Ramy, pas raté, Arrête-toi de mettre le truc à fond, c'est pas bien. Il y avait il y avait au moins 4 litres qui rentraient par nuit. Tellement je mettais le truc à fond, tu vois. Et au bout de 3 jours, j'arrivais un petit peu à m'alimenter. Ils sont venus. Ils m'ont ramené le pactage de, de Séville. Ils m'ont dit, Adil, ah, on a la finale de Super Coupe des Coupes parce qu'ils avaient gagné l'Europa League. Oui, le classique. Premier match, j'arrive. Je vais en Roumanie ou je ne sais pas où avec eux. Malade. Je reste en chambre. Ils me donnent à manger du riz, du thon. Euh, il, faut, il faut savoir que Enzonzi et Claude Zizak pas <laughs> n'ont pas survécu euh, au truc, tu vois. Je suis là-bas. La veille du match... Je fais entraînement avec l'équipe. J'arrive à faire que 20 minutes, pas plus. Je suis mort, je suis à plat. Le, le jour du match, sur la tête de mes enfants, je suis convoqué dans le bureau, dans, le, dans la chambre du coach d'Animerie. Il me dit écoute, Adil, Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont me parler à moi. Je prends mes responsabilités, tu vas jouer avec 6 kilos en moins. Tu vas jouer. <laughs> dans je mes... un état physique pitoyable, tu vas plus s'entraîner depuis un moment. Contre le Barça, ma gueule. <laughs> ouais, la tête de... bah oui parce que c'est eux qui pètent la ld en 2015 ils m'ont tout pété ces fils de ils m'ont tout pété c'est bon ou pas écoute moi le Real et le Barça m'ont tout pris finale de super coupe des coupes coup Lionel Messi but de Messi coup franc putain coup pour Valence ouais, pour Séville bah un partout les Argentins ils battent coup Messi demain <laughs> bon, on, respire plus. on respire plus après, il y a eu 2-1, 2-2, 3-2, 3... -2, 3, -2, 3 -2, enfin bref, prolongation, frérot. Mais t'étais comment, toi, à ce moment-là, physiquement sur le terrain T'étais mort, j étais, frère J'étais ouais, en vrai, j'ai la. Merci euh... <laughs> Mais oui Mais regarde, rire ta tête <laughs> Écoute-moi bien, c'était une dinguerie. Mais t'es frêle On a perdu, écoute-moi, on a perdu 5-4. Sur la dernière minute, j'ai loupé l'action la, du match. Sans débordement, je suis devant, je mets mon genou, je tire à côté. C'est un truc de ouf et, euh, et du coup, donc quand j'arrive à la saison, cette saison-là, je commence par une Super Coupe des Coupes. D'accord Première finale avec Séville. On fait la saison de, de malade. Fin de fin de saison, qu'est-ce qui se passe On joue contre... Euh, on est en finale de Super Coupe des Coupes. Contre qui, à ton avis Le Barça le Barça. On joue à Calderon. On perd. Prolongation. Jordan Alba qui marque, c'est pas tard, mon pote. Ça fait deux finales la même saison. D'accord Quelques jours après, on joue à Bâle la finale d'Europa League. Ouais. Quelques jours après, ouais. on la bat, on la gagne. C'est pas évident. Et dis-toi que j'avais l'impression parce que c'était leur troisième finale d'affilée. Je me dis, si on perd, c'est de ma faute. Tu pas. Bien sûr. Le, le Liverpool de, de, de Klopp. À ce moment-là, je suis convoqué pour l'équipe de France. Finale contre le Portugal. On perd la finale contre les Portugais. Donc de là, oh, le loser je, rentre, je rentre, je suis fatigué d'une sélection juste après. J'ai la, la, la ben, mon ex-copine qui accouche, je rentre de sélection, je suis mort. Donc là, j'ai la naissance de mes jumeaux. L'année 2016, c'est une dinguerie. J'ai la naissance de mes jumeaux, sauf que comme on a gagné l'Europa League contre Liverpool, tu dois jouer la Super Coupe des Coupes Oui. contre le Real. Contre le vainqueur de 2016, le Real, Real Madrid. Ouais. Pareil, prolongation. On gagne. À une minute de la fin, on, on est en train de gagner. J'ai crié sur mon stopper. En gros, il va au duel avec je sais pas qui. Il restait quelques secondes. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis un gros coup de tête vers l'avant. Et je lui avais crié dessus, laisse passer. Laisse passer. Parce que vous l'aviez. Parce que s'il ne dégage pas le ballon de la tête, tu vois, j'aurais récupéré le ballon. J'ai fait une passe au gardien. Il la dégage, on remonte et tu vois, tu gagnes du temps. Et quand il a dégagé de la tête, Ramos récupère le ballon. Il dégage le ballon devant. Contre-attaque. On se fait niquer. But égalisation. Sa mère, on était à quelques secondes Dans de le gagner. le chat, il crie Ramon sans majuscule. Exactement, ce gros, il m'a niqué. <laughs> Real et Barça, ça t'a fumé. Hein. Prolongation, frérot, et on perd. Encore une fois sur prolongation, tu vois. Ils m'ont niqué tous mes matchs de machin, hein, tu vois. Et, et après, avec, avec saint Paoli, pareil, on est en finale de, de quelque chose, mmh. je sais plus quoi. Et pareil, on perd contre le Real ou Barça. C'était comment la finale d'Europa League contre le Liverpool de Club Une dinguerie. On... C'est oh. un de tes plus gros titres en carrière. Magnifique. Magnifique. En plus, on joue contre Liverpool. Et Ounayemri, c'est le style de coach qui te rassure en te disant, tous les joueurs, on les connaît par cœur. Leur point fort, leurs points faible. Si un joueur marque son point faible, c'est la faute du coach. Ouais. Il me parle de tout. Et il y avait Coutinho. Coutinho, attention, toujours la même chose. Toujours la même chose. Il va croster. Et frapper. Et ensuite, il va revenir pour enrouler. On la connaît. OK, et moi, pareil, story, story, Storyd story. son pied gauche, son pied gauche, son pied gauche. Tu vois l'action de Storyd Je suis focus. Je recule le frein sur story. Et je me dis, il peut pas marquer de la rouler de la surface, il n'est pas bien positionné, tu vois. Comme dans, comme dans FC24. Externe, lucarne opposé. Là où il est, je me dis, il va devoir soit décaler pour, crocher, ouais. pour, pour croiser sa frappe, coup du pied. Non, il arrive arrivé, il arrive il arrive Je me dis, ah ouais, c'est ça le haut niveau. Et il a mis en roulé normal. Puis je vois exactement, but tu je exact. vois exactement de quel but tu parles. Je vois exactement de quel but tu parles. Mais je ne pouvais pas m'en vouloir. Parce que je me dis, parfois, il faut savoir féliciter. Il ne faut pas toujours trouver un coupable. Bravo à ce que tu as fait, tu vois, c'est as bien joué le coup. J'ai j'aurais peut-être dû avancer mais en même temps, tu vois, on rentre à la mi-temps le coach. Tout le monde bla blablabla blibli. Chut. Comme ça il fait. Reposez-vous. Je vous le jure qu'on va gagner ce match là. Il avait déjà vu, tu vois le truc. Ouais. Il a changé de trois Every trucs. vrai coach de fou sérieux. C'est un vrai coach, En fait d'après le problème voilà, Paris, machin mais on est rentré, c'était plus la même équipe, hein. Comme dans un film. 1, 2, 3, coquet, doublé, Gamero, c'était fini pour eux. Ils ont fait rentrer 5 attaquants, ils ont fait rentrer tous les mastodontes devant. <laughs> Sauf que, ils avaient là, encore Ben Teke, des trucs comme ça à l'époque. tout compris, il y avait Origi, euh, euh, ils ont mis tout le monde devant. Ouais, tout, tout, tout le monde. Sauf que le problème, c'est que la vie de ma mère, tu peux ramener qui tu veux, avec la grinta que j'avais et tout ce qui est dans les airs. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les airs, c'était moi le boss. Hein. Ramène qui tu veux. Mais ça envoyait des coups de tête, des coups de coude, que de la bagarre. Et puis après, tu gagnes l'Europa League et qu'est-ce que tu veux tu es content parce que quand tu es footballeur, tu veux jouer des finales et tu veux avoir des titres, tu vois. Et là, c'est pas un titre avec le Real ou le Barça qui est à l'époque. Ouais, qui gagne tout. Là, tu vas le chercher ton titre, tu vois. Mmh. Magnifique. Ouais, dinguerie. Magnifique. Alors, il, il, il nous reste un peu de temps, euh, justement, avant que j'aille euh, sur Popcorn. Merci à Dylan, d'ailleurs. Là, tu régales. Mmh. Mais, tu vas essayer un peu en retard à la boxe, mais mmh. grave, on grave. Parle de plein de trucs et tout. Donc, merci beaucoup. Franchement, c'est une émission Dans légendaire. Rien. On se fait un rapide euh, le re retour à l'OM euh, justement en Ligue 1 donc tu retournes à l'OM en 2017 euh, le début de saison est compliqué avec notamment la grosse défaite 6-1 à Monaco et euh, la composition euh, un peu euh, raison, Rudy, je me rappelle ce moment-là de Rudy euh, mais mine de rien cette année parce que vas-y je, je rigole un peu euh, l'OM fait une très grosse saison avec le parcours en Europa League bien sûr mais également en Ligue 1 entre la 5 e et la 27 e journée c'est une défaite contre l'OL <laughs> au parc OL en décembre <laughs> mais plus sérieusement on et on, on s'est fait voler même pas vrai. Mandanda, les gants qui glissent, il prend un coup franc de Ah oui, mais il y a eu un but sur Corner où il y, y a eu faute, y a eu, je sais plus ce qu'il y avait. mais hey, hey, Corner, Diaz, t'as pris la tête. Il y a eu un truc bizarre là, Cor je sais plus quoi. Non, non, as Il ce petit Non, ce but-là, il y avait hey, S, ce Mais cette année, RS, il faut savoir qu'encore que, une fois, tu vois, c'est que si si je me rappelle, je m'étais pété le pec. En fait, j'étais à Séville, j'avais tout. On était en Ligue des Champions, on avait tout, tu vois. Et à un moment donné, il fallait préparer un plan de carrière. Et, Et mon plan, c'est de revenir à Marseille. Ouais. Personne ne voulait de mon entourage. T'es es le patron à Séville. Pourquoi retourner en France T'as une image, t'es dans un grand club, reste à Séville. Va pas prendre des risques, aller à Marseille, ils vont te tabasser. J'ai dit, c'est le moment pour moi de mettre les points sur les i, et surtout, je serai champion du monde. Je disais ça à tout le monde, et tout le monde rigolait, avant qu'on soit champion du monde. Je vais être champion du monde, je vais être champion du monde, tu verras, c'est moi, c'est sûr et certain, je le sais déjà. Enfin bref, et je disais, tout le monde rigolait. J'arrive à Marseille, il faut savoir qu'en mode d'Europa League, en, en pré-machin, je me pète le, 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 le pec. Ouais. Et on me dit trois mois d'arrêt, opération. Je me dis jamais de la vie. Je loupe le match, ce fameux match contre Monaco. Je joue pas contre Monaco. Ouais, tu étais pas. Je joue pas. D'arrêt, ça me met en confiance. On va pas se mentir. Quand ton équipe apprend six buts, tout le monde parle de toi. On parle des absents, tu vois. Ok, je reviens. On perd contre Rennes vrai. après la trêve. 3, hein. Ouais, exactement. Et là, les critiques machin. Derrière, on joue en Europa League et il faut savoir que pendant quatre mois, je ne peux pas courir normalement comme tout le monde. Donc je cours un peu parce que mon bras était strappé. Et, et c'est du jamais vu d'ailleurs d'avoir une rupture, s'il y a des docteurs dans, parmi les tchats, j'ai eu une rupture complète du tendon du grand pectoral. Donc c'est pas, c'est une rupture, une déchirure complète. Euh, Aujourd'hui je suis atrophié, tu vois, du, du, du pec droit. Sauf que j'ai repris 15 jours après. C'est du jamais vu. tu vois. Normalement c'est des semaines ou des Il, mois de... Jamais de la vie, je laisse ma place. Parce que je savais qu'il y avait, non seulement c'est l'Olympique de Marseille, et qu'il y a une Coupe du Monde à la fin, tu vois. On, après Rennes, on joue l'Europa League, je marque, on gagne à zéro. c'était à l'époque où vous aviez à Sport, les trucs, comme, trucs comme, comme, comme ça. En et là, je marque le but de la victoire. Et là, ça me, donne, ça me, ça me permet de me mettre en confiance. Et là, j'enchaîne toute la saison avec Rudy Garcia. Tout se passe bien. On est en finale d'Europa League. Et, et derrière, bah, j'enchaîne la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu veux mais, mais, mais il a fallu que je prenne ce risque-là, tu vois. Vraiment, le de changer de club au bon moment pour être dans le bon wagon. Tu vois le match contre la double confrontation contre l'Ipsych. Dingri. Dingri. Ah ouais, mais putain, mais c'était... Alors, l'allée et le retour, le retour, j'ai joué, j'étais blessé. Il fallait savoir que je m'étais pété le mollet et que j'ai joué quand... Je ne sais plus qui se pète d'ailleurs. Bounassar, je crois, il se pète mmh. comme ça et je prends ouais. sa place. Et je joue. Mais là, je joue, mais je ne joue pas pour jouer au foot. À ce moment-là, je ne veux pas jouer au foot. Hein, je ne vais pas te mentir. Je joue pour gagner et je voulais un truc. Ça m'arrive très souvent sur Internet. Mettre des tampons. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis, voilà, je ne joue pas au football, mais c'était du grand n'importe quoi. C'était... En fait, ce match-là, je ne me rappelle même pas du foot. Je ne me rappelle que de l'ambiance. <laughs> Tu vois l'ambiance On dirait tu cours, tu vois <laughs> ouais. Et ton énergie, c'est les supporters qui te poussent. Tu vois, c'est un truc de ouf. C'est le bruit. Le but de vivre est exceptionnel. Euh, c'est dinguerie. C'est ce match-là aussi où il met une frappe du gauche de loin, mais ça fait hors-jeu avec Mitroglou ou c'est contre Salzbourg. Ah, je me rappelle plus du tout. T'inquiète, le chat, ils vont le dire. Ouais, c'est ça, c'est oh, ça, c'est ça. Le chat, il da est T'inquiète hein. pas. Non, dinguerie. mais c'était, c'était franchement cette Europa League là, là. Oh c'était quelque chose. En plus de le vivre mm -hmm. avec Marseille. C'est trop beau. La finale contre l'Atletico. Bah bien sûr, c'était magnifique mais putain mais en plus je leur avais dans dans le vestiaire, je leur ai dit. J'ai joué contre cette équipe de l'Atlético Madrid et je me rappelle des conseils d'Unai Emery et il avait toujours dit, il a dit c'est la seule équipe où il faut vraiment ne pas avoir peur d'être moche. Eux, ils gagnent des matchs en étant moches. Oui. Ils donnent l'impression d'être beaux quand ils gagnent 3-0 parce que ça fait du tiki-taka, tu vois. Mais sinon, il faut savoir que c'est une équipe qui n'a qui pas peur d'être dégueulasse même, tu vois. Allez là, bloc bas, ça met des tampons. Moi, je voyais, moi, je voyais à l'époque, hein. je ne sais pas comment vous dites en français, je suis désolé, je ne vais pas faire l'espagnol, le, mmh. Godin. On dit Godin en, en Espagne, ouais. ils appellent Godin, tu vois. Godin, Jiménez, les Uruguay. Costaud sur le duel, mais les mecs, c'était des, des coups de tibia, des dégâts, n'importe comment on touche. Dégueulasse à voir. Euh, Savic. Sa, sa oui. Nul, quoi, nul. Dans, dans la relance. C'est <laughs> là, dégueulasse. Mais il faisait le job. Et, et un jour, l'entraînement qu'on a fait avec Kuna sur la. Encore une fois, je vous le jure. Krikovia, qu'il avait fait. On devait faire un système contre eux juste pour eux. Il fallait dégager des longs ballons. À l'époque, on avait trois attaquants. On avait. Je ne vais pas tout tituler bien évidemment. Il y avait Liorente. Mm -hmm. Immobilier, Gamero. D'accord À Séville. Et il avait mis euh, Liorente et. Uh, Gamero qui tournait autour, contre coup de Madrid. Et Krikowiak, à entraînement, il a mis un ballon tendu. Il a arrêté le jeu. Oui, il un a boulon. défoncé Krikoviak. Il a dit, t'as pas compris. Je ne veux pas de ballon tendu. Je ne veux pas de style de jeu un propre, beau gosse. Je m'en bats les couilles, il a dit. C'est ce qu'il a dit Il a dit, il a il a dit, dit à Gabriel après il a dit à moi. Si t'as du temps, ils vont pas te presser parce que c'est une équipe en gros de merde. Oui, qui est en bloc médian. Qui tu lèves le prendre... ballon Soit tu fais une transversale bien haute, donc ça veut dire en gros tu la prends du, en dessous pour qu'elle soit très très haute, ou tu lèves le ballon comme les enfants, tu lèves le ballon et tu mets une chandelle. En fait, ils voulaient faire rugby. En gros, tu mets des longs ballons et on joue les secondaires. Le, il a dévis sur la garde et nous on avance à fond sur eux, sur les ballons. Et, et dès qu'on peut jouer à la balle, on ne joue pas à la balle parce que eux, ils prennent en fait, ils récupèrent et ils nous plantent comme ça. Tu vois ou pas Et, et j'ai pensé à ça avec Marseille. Et qu'est-ce que j'ai foutu contre quand quand Mandanda il a la balle, je m'écarte. Et en m'écartant, ça laisse beaucoup d'espace. Oui. Ça a laissé le. C'était Zambo, en ça ouais. qui est venu pour demander le ballon entre les deux six. En fait, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû rester dans l'axe. En gros, je refuse de jouer. Je suis une grosse. Euh... Ouais. Je suis pas un bonhomme. Vas-y. Et, euh... Et comme ça, tu la dégages. Et on joue le deuxième ballon. Et non, en fait, on a essayé de jouer. Ouais, ça va, leur... après leur premier bus. Et je savais que tu mort. Et Va marquer fait... un but à l'Atletico Madrid en plus pour ouais, compliqué. Pour... Euh, sans, sans le foot sous le train mais alors en plus euh, genre le, le, le raté de Germain aussi tu penses que ça aurait pu être différent s'il avait, il ouais, avait bah oui, avait même. Tu penses Tu es, es marseillais avec tes les supporters marseillais et nous euh, ça te donne de la force de marquer un but. T es, t es, en fait en plus c'est une équipe c'est une équipe qui est qui est qui est basée sur la défense. Ça veut dire que si tu les qui ont l'habitude de défendre bas, qui l'habitude. Donc, si, si tu, tu marques, ils vont s'ouvrir. Si, 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 voilà, exactement. Si en fait, tu dois les mettre dans un, dans un truc qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, vas-y, venez jouer. Venez sortir de votre. Tu vois, parce que les défenseurs, je te le dis encore, je te le répète, des putains de bourrins. Oh là oh là là là, on aurait Il pu aura. en profiter. Quand tu, prends, quand tu marques avec eux, tu peux, tu peux y aller. Hmm. Tu vois. Enfin bref, mon pop petit Germain un petit clin d'œil, ça le bâtard va. <laughs> il l'aime tellement. Le fait d'avoir raté la LDC avec 76 points aussi, hein. l'impact de la défaite contre l'OL la... dans les dernières minutes là avec le. Incroyable, but incroyable, putain. Ah ça c'est. Oh là, là là là, la merde. Bon <laughs> de bâtard. Il était comme ça tout seul Non tu mens, si il a tiré à côté avec son pied d'appui, non il a pas fait une dinguerie avec son pied d'appui, putain. Il y a contre l'OL à 32, 33ème journée. Que, euh, euh, je te dis, franchement, mais Depay, c'est un phénomène, hein, Depay Franchement, intarré, bête hein. de joueur. Hein. En plus, de la tête. Hein. De la tête. En plus, face à Rolando, non un fr... Rolando, t'as un front, il fait 50 mètres. Je veux pas fermer la porte avec. <laughs> Sérieux, putain, c'est pas possible. Non, c'était chaud. C'était chaud. Mais <laughs> tu sais qu'on avait. Je crois que pour un quatrième, je crois que c'est un record oui, de 76 points. Hein. points. C'est Le... incroyable. L'OL aussi fait quatrième avec 75, je crois, ou 76. Ou... Non, je crois que vous avez fait 77. Et nous, Loël, je crois qu'on fait 76 en 2021 et on fait aussi quatrième. C'est un truc de malade. C'est un délire. Parce que les quatre premiers, c'était une dinguerie avec Monaco. En fait, sur les 12 dernières années, avec 76 points, je crois que tu vas en LDC 9 ou 10 fois. C'est chaud. Et les deux fois que c'est pas arrivé, c'est chaud. Mais quelle carrière que j'ai C'est incroyable. C'est une dinguerie. Bon, sur la fin de carrière, en rapide, parce que moi, en réalité, c'est quoi Coupe du Monde Parle-nous de la Coupe du Monde. Alors, forcément, on a mis l'extincteur derrière pour rigoler un peu. Tu sais, ouais, j'ai vu la déco. Ouais. L'anecdote, on la connaît. Euh, le rôle de remplaçant dans un groupe est forcément la question que même des gens posaient dans le chat. Ouais. Est-ce que toi, dans le fond, tu te sens vraiment champion du monde alors que tu pas eu l'occasion de jouer, mais que tu as accompagné, que tu as fait les entraînements et qu'au final, tu as failli rentrer aussi en finale, tu nous racontais De ouf, à cause du Goyoris. Il oh, y a un problème là. Bon, à cause bien. Mange, mange, prends un petit truc, fais ton mais plaisir. je me fais... C'est quoi C'est la nouvelle déco, d'accord, Olivier, j'espère que vous aimez Ouais, bien. mais franchement, la déco, il y a marqué, on les aura les méchants, y a les gars, y a... ah, voilà, les deux étoiles. Mais bien sûr que je me sens champion du monde, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce qu'il faut avoir des couilles pour quitter Séville en Ligue des Champions et aller à Marseille, pour se montrer et avoir une certaine, tu vois, visibilité. Mmh. Et en fait, tu n'es pas champion du monde sur une période de Coupe du Monde. tu es champion du monde parce que tu es en concurrence avec tous les joueurs français en défense centrale et tu dois gagner ta place en équipe de France. Ouais. C'est comme ça que tu es champion du monde, tu vois. Euh, tu ne peux pas être champion du monde si tu ne fais pas une belle saison, si tu vas pas dans un grand club et si tu ne prends pas des risques, tu vois. Moi, franchement, j'aurais pu être, j'aurais pu rester à Séville, j'aurais pu... Non, non, j'ai pris un risque, je suis venu à Marseille, je me suis dit, tiens, été critiqué en arrivant à Marseille, les mecs m'ont dit, mais qu'est-ce qu 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 enfin, qu que tu veux Rami, chez nous euh, euh, À l'époque, on disait, t'es fini parce que justement, tu n'as pas l'habitude de voir le football étranger, tu sais pas ce que je fais à l'étranger. J'ai pris des risques. Mon risque à payer. D'un effectif ou euh, de 23 joueurs qui, qui est, bah, est, bah, est rêvé par tout le monde, c'est vrai. Tu vois, tout le monde voulait être à ma place, tu vois. Vrai euh, donc, bien ben évidemment, bien évidemment, je suis champion du monde. C'était comment euh, sur place, justement, en Russie et tout Est-ce que tu étais euh, marqué à l'époque, je sais pas, par Mbappé C'était quoi un peu les rôles de Pogba, Griezmann dans le groupe et tout On sentait que c'était tu avais vécu 2016 aussi On sentait que c'était un peu plus aguerri de cette défaite contre le Portugal Ouais, on. on... Je te dis la vérité. Hein. Encore une fois, tu veux du chocolat Non, ça va, t'inquiète. Je, en... ouais, je te mets un peu d'eau. Tu sais que c'est rare que je mange des Kinder. Ah, mais non, mais putain, mais qu'est-ce que c'est bon Cette putain de drogue. Mais le chat, ne mangez pas ça, mais c'est tellement bon. <rire> 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 euh, les chocobons, les country, euh, c'est la folie ça. Oh, les Choco fraîches. A... fraîches, les gars, ça, oh, ça c'est oh. la vraie drogue ça. Oh. Tu, oh. Pl oh. tu pleures sur le chocolat En fait, je, je m'en prive. Mais c'est une drogue nique sa mère <laughs> Non c'est bon. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé ça. Ce profite, plus, hein. profite mon frère, non. rigole. En fait, comme je te l'ai dit, je rigolais en arrivant à Marseille. Je vais être champion du monde, je vais être champion du monde. Je suis arrivé à, à la Coupe du Monde quand on m'a convoqué. J'étais dans la voiture avec un ami à moi qui est producteur. C'est un ami. Il me dit ouais, je vais t'emmener à Carfontaine Je chantais tout le, tout le trajet. Je suis champion du monde, je suis champion. Avant d'y aller, la vie de ma mère, je savais qu'on allait être champion du monde. Je savais que moi, c'était ce wagon-là. Ouais. Que ce groupe, il était prêt pour l'être. C'était quoi le match le plus marquant de, de la compétition pour toi L'Argentine. L'Argentine Ouais. Le huitième. Oh, L'après-match du huitième, il devait être fou. Je savais qu'on allait gagner. Les gens, ils vont, ils vont se foutre de ma gueule, mais les gars, dans le football, il n'y a pas de logique. Mais l'Argentine, c'était porte ouverte derrière. C'était derrière, c'était catastrophique. C'était Sampaoli. Je connais Sampaoli. Je sais le marquage qu'il fait. Un jour, on joue contre le Barça avec tu J'étais à Séville. On joue contre le Barça. Il m'a dit quoi Il m'a dit, toi, moi, toi, Rami. Rami, toi, tu prends Suarez. Il a dit à un autre, toi, tu prends Messi. Toi, tu prends Neymar. Vous jouez à 3 derrière. Mais c'est pas un 3 style 5. C'est 3. <laughs> vois ou pas. 1 pour 1. <laughs> ouais, pas de problème. Sauf que là, je savais qu'il allait faire le même système avec Mbappé. Va faire ça avec Mbappé et Delbele, tu vas voir. Un truc de malade. Et un peu comme c'est une équipe qui presse beaucoup, vous allez avoir beaucoup d'espace. Non oh La soupape de Kylian Mbappé, oh l'accélération. C'était un délire. Hein. Mbappé à droite, pendant la Coupe du Monde 2018, avec ses cannes, là tout jeune, il était encore frêle, pas très musclé, c'était la folie. Hein. du grand n'importe quoi. Il y a lui et le, il y a le, la Belgique. La Belgique, c'était tellement stressant. La Belgique, qu'on allait perdre. L'Argentine, je savais qu'on allait avoir beaucoup de. Le coup de tête de Samuel, il était. Oh putain. Il a fait du bien, mais. Mais la Belgique, c'était vraiment très, très fort. Et ce groupe, il était vraiment soudé. J'ai des images encore où je rigolais, je pleurais de rire, tellement on enfin, pas n'importe quoi dans le sens où, tu sais, l'ambiance qu'il y avait, c'est grâce à des chants. Il nous a laissé faire. Il n'a pas mis de barrière. Tu vois, normalement, il est là, il est chiant, mmh. faites pas ça. Couloir chez nous, notre couloir là, l'allée, n'importe quoi. Et d'où <laughs> l'anecdote de Extincteur. Il <laughs> y avait une musique là, je suis désolé les gars, je suis. Catastrophique en musique. Mais il y a une musique avec Sakado Sakado machin là. Je sais plus c'est quoi le son, les mecs, ils vont dire dans le chat. T'inquiète, ils vont le dire, ils sont largement Je sais pas c'est la musique de qui. Et je me rappelle encore voir Benjamin Mendy chanter cette chanson avec Dembélé et tout. ils disent. C'est ça, non, avec un sac Exactement, c'était lui, tu vois. Et je pleurais de rire, c'était du grand n'importe quoi. Mais le pire, c'est que les mecs, ils venaient avec nous, ils déliraient. Les Hernandez. Tu vois, les. Lucas Hernandez, ça c'est vrai que c'était un taré. Parce qu'en fait, ce mec-là, il faut savoir que c'est un mec qui s'adapte. Il est gentil, il est sociable, il est touchant. Sur le terrain, il est méconnaissable. Vraiment, c'est dingue parce que moi, je trouve que, tu vois, par exemple, par Lucas Hernandez sur cette Coupe du Monde, il nous avait rapporté le vice. Oh le vice bien espagnol, bien atlético. Et, bah, mais attends, les gars. Tu, tu vois, vois ou pas Après, je te le jure. Hein, ce mec-là, il était. Tu sais, c'est le, 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 le petit gars gentil, mignon, beau petit sourire et tout. Il délirait, de te le Mais vraiment, je crois que j'ai vraiment vu un mec aussi gentil. Transversal, sur son, sur son milieu gauche. Tu vois le sprint qui tapait. Il tape un sprint, ça veut dire que quand toi, tu es en face de lui, tu vas contrôler, tu es focus sur le ballon, mais tu vois un putain de pitbull et tu vois les coups qu'il mettait. Je me dis, ah ouais, lui, il a pas peur. Tu sais que c'est un bonhomme. Hein. Bah oui. C'est un bonhomme. Beau... J'aime trop ce mec. On avait pas. une équipe, c'était incroyable. La folie. Écoute. Euh... Pour terminer, un petit mot peut-être sur la saison dernière à 3. On t'a vu en fin de saison, t'avais pris la parole. Ça a l'air d'être une saison compliquée qui avait bien commencé, pourtant, jusqu'au changement du coach. Groupe difficile et c'est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé Franchement, je ne sais plus. <laughs> c'est intéressant quand même. Non, je te rigole, te taquine. C'était relou. Je ne sais pas, on était plutôt bien. Je, franchement, je ne sais même pas. j'ai même pas de. Ça connectait pas, pas, pas. Ça m'a bon. déçu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu. Et j'ai senti que j'avais pas la, la, la force de pouvoir l'expliquer ou de faire changer les choses. Parce qu'en fait, c'est pas un club. C'est 13 clubs. C'est City Group. Pour ceux qui savent, c'est des groupes. Ils ont 13 clubs dans le monde. Ouais. Et ils ont Manchester City, New York City, 3 et plein d'autres, tu vois. Et c'est dur quand c'est pas un club parce que tu sens que tu ne peux pas. Trop de monde en fait, ouais. Tout le monde est que... et que ça n'allait pas et que ça focalise pas sur toi. Mais aujourd'hui, je me demande si, on... si c'était pas fait exprès, tu vois. Comment tu peux perdre, ne pas gagner pendant 17 matchs ou 18 matchs et de pas changer la compo Je sais pas, faire jouer des jeunes, ne pas laisser du temps. Enfin, franchement, j'ai pas de j'ai kiffé. Moi, j'ai mmh. joué au foot, je suis venu à trois parce que je voulais que mes enfants aujourd'hui ils ont 7 ans et que je voulais que mes enfants me voient jouer. Au football, tu vois, c'est important quand t'as des enfants te voient faire, te voient t'entraîner, te voient bien manger. vraiment envie qu'ils qu s'imprègnent un petit peu de ça, tu vois, et qu'ils viennent voir les le stades de foot, ouais, l'ambiance, le délire. Donc je dis, j'ai ouais. encore jouer deux ans pour que, tu vois, et aussi, voilà, parce que trois avaient besoin d'une image, besoin de, il y avait beaucoup trop de jeunes. Et puis après, aussi, je vais pas te mentir, hein, le choc des générations. Tu vois, quand arrives dans le vestiaire, tu vois, tout le monde avec son téléphone, ça va pas en salle, ça travaille pas, ça te répond. Et puis aujourd'hui, ce qui me choque, c'est que as des mecs qui arrivent en pro, mais ils ont pas le niveau tactique. T'as un certain talent, mais ils ont des lacunes. Mais sur sur ta, euh, l'aspect lacune, enfin, tactique, c'est catastrophique. Comment tu peux, avant pour arriver en pro, il fallait il fallait souffrir, galérer, il fallait tout savoir, tu vois, sur comment défendre, comment sur le vice. Il arrive avec un talent, il pense que ça suffit, mais le problème c'est que as, enfin, quand t'es jour, t'as pas le temps d'expliquer tout ça aux mecs, tu vois. Donc c'était. Il y avait des bons jeunes, hein. Mais trop de talent, mais pas assez de pas assez de discipline, pas assez de métier. tu vois. Et en quelques mots aussi, parce que c'est vrai qu'on me dit dans le chat, j'ai oublié d'en discuter, euh, la fin avec l'OM, notamment justement. Ah oh ouais, mais celle-là. La attends. saison un peu plus difficile. Ah ouais, là, mais tu te régales. Non, hein, mais non, il hein. y a un problème, c'est que lui, son depuis tout à l'heure, ça me tresse. Ah oui, là, mais là il se régale. Hein. <laughs> Après, on <a rire> un podcast, hein, est en podcast, c'est aussi ça, tu vois. <laughs> la, la fin avec l'OM, justement. Je, un je, peu, moi, euh, les gens, ils le savent. T'es combien sur le chat là bah là, Le chat là, ils sont nombreux. Après, j'ai pas le nombre de viewers. Bah, et regarder, ils mais... le savent, tu vois. Ils te posent la question. Mais il a, veux... Alors, il y a 13 000 viewers. Je voilà, euh, vais pas ça, te mentir. C'est beaucoup. C'est très bien. C'est magnifique. <laughs> ça, ça régale. Non, c'est que, tu vois, j'ai fait une, une belle saison. Euh, derrière, j'ai fait une saison moyenne. Euh, chose qui arrive, tu vois. Mais j'ai toujours su rebondir. Quand tu me connais, je suis pas un menteur, j'ai jamais triché, tu vois. Et, euh, et un club, il me dit Je veux plus de toi. Ok, tu... je pars, je trouve un club, on s'arrange. Et puis moi, je ne peux pas rester dans un club qui veut plus de moi, tu vois. Mais là, ce qui s'est passé, c'est violent. C'est qu'en fait, on m'a pas dit je veux plus de toi. C'est que j'ai fini quatre ans, il me restait deux ans. Je dois jouer justement pour, déjà pour moi perso. Oui. C'est mon contrat et je dois, en tant que compétiteur, relever la pente. Enfin, ça arrive, bah à Marseille, c'est souvent comme ça. Tu fais tout le monde, même le, même le club en lui-même. Ouais. Bonne enfin, saison 2018, l'année d'après, c'est moins bon. Ça avait est, fini cinquième. Euh... Donc, ok. Sauf que là... Il... Il m'empêche non seulement, il me dit même pas qu'il veut plus de moi, c'est qu'il veut me faire du mal en me résiliant le contrat. Quand il résilie mon contrat, il fait tout le processus pour que je signe nulle part. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est en période de, de résiliation, donc je n'ai pas le choix de signer, je ne peux pas signer. Et il me donne ce papier pour que je puisse signer un jour avant. Okay, donc... Je devais signer à Crystal Palace, je ne signe pas à Crystal Palace. Donc bâtardise jusqu'au bout. Tu as tout compris, je ne peux rien faire. Donc pour moi, ça, j'appelle ça... ça euh, enfin, c'est de la méchanceté. Mais en parallèle, ce qui m'a le plus tué... C'est qu'il avait réussi à l'époque à manipuler tous les supporters marseillais en me faisant passer pour un mec qui, avait, qui est parti faire fort boyard. C'est pas bien, mais si c'est très bien. C'est mon jour off. Je décidé d'aller aider une cause et de faire fort boyard. Et dans, dans, dans ta journée off, je fais absolument ce que je veux. Il y en a qui veulent faire du quoi, d'autres qui vont à Dubaï faire. Ouais, euh, faire fort boyard, bon. Faire fort. Voilà. Mais il a essayé de, il a réussi à manipuler les gens pour, pour faire passer ça comme de la, tu vois Comme une faute grave. Et justement, du coup, quand tu vois un peu ces procédés est ce que Héro pouvait faire, est-ce que ça t'a étonné quand il a mal fini en 2021 Ça m'a pas étonné. J'étais euh, bizarrement avant-gardiste. Sauf qu'il a fallu attendre, euh, voilà, comme on dit l'expression euh, quand la, la vérité prend l'escalier, le, nique sa mère et l'ascenseur. Tu connais. T'as <laughs> un peu remixé l'expression, mais on comprend le délire. <laughs> tu comprends. Oui, je comprends, t'inquiète pas. <laughs> mais aujourd'hui, je crois, que, je crois que vraiment que c'est par rapport à cette méchanceté, parce que moi, je... je je pardonne à tout le monde, je pardonne et je me remets en question et je me dis, bon, il bah, y a des choses qui peuvent être de ma faute. Ouais. Là, non. Là, il y a une histoire derrière tout ça que je, que je dirai tôt ou tard mmh. et que sa femme aura besoin de savoir aussi, tu vois. Et que je pense que sa femme, elle doit le savoir aussi. Euh, si, ça, si ça fait des, des clips et des trucs et qu'elle voit ça, c'est très bien. Parce que je sortirai tôt ou tard. Mmh. Mais il s'en est pris à moi, personnellement, par rapport à cet embrouille. Et. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu l'homme que je déteste le plus au monde. Je comprends. Voilà. Bah écoute, je voulais forcément parler un petit peu de ce passage et de tout ça. Et ça vient conclure une belle émission. Magnifique. Il nous restait des <laughs> choses encore. Sochi, <laughs> Fenerbahce, Boavista, le fait que tu sois consultant, peut-être carrière. Je suis désolé, on a manqué de temps. Mais 1h50, on avait ah, dit une grosse heure. Alors, ah, 1h50. Bon, bah, 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 ça va, bah, ils, ils sont restés connectés, c'est bien. Merci. Merci beaucoup, Adil. Désolé pour le chocolat. Fait que ah je commence à être fatigué. Là, j'ai donc je vais boire. Adil. Je suis Merci. très content. J'espère que vous avez apprécié l'émission, les amis. Allez, peut-être qu'un jour, en ligne, on, on finira. Euh, tu pas forcément en grosse émission. En ligne, tu viendras un jour. Avec grand Rien plaisir. C'est mon nouveau studio. Il va y avoir ouais. un coin canapé ou quoi. Un soir, si tu ah, veux. Trop Juste en discussion, on se fait un petit truc et on débrief le week-end ou quoi, et on pourra terminer une sorte de partie 2 avec justement la fin qu'on n'a pas fait Avec plaisir. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, les amis. Zach en c'est terminé pour cette semaine. Je remercie Brita de nous avoir sponsorisé et de nous accompagner pour cette saison. Je tiens à rappeler également le soutien auprès du PCRF dont on a parlé en début d'émission. Tous les liens sont dans la description. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve dans 10 minutes sur Popcorn et peut-être une partie 2 du coup à l'avenir. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde Ciao ciao